الله وبركاته. عفوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes inshallah ta'ala toujours avec Sahih al-Jami', Sahih al-Jami', le Cheikh al-Albani alayhi rahmatullah. Le dernier hadith dont on a parlé la fois passée, si j'ai une bonne nouvelle, pardon, si j'ai une bonne mémoire, il parlait de قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم avait dit que يعني le plus parfait أكمل المؤمنين إيمانا, le plus parfait des croyants en iman, question de iman, question de foi, c'est celui qui a le meilleur comportement, c'est celui qui a le meilleur comportement. وخياركم, et les meilleurs de vous, ce sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs épouses. Khiyarukum linisa'ihim. J'avais dit qu'il y a un autre hadith qui est sahih aussi, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma min shay'in asqala fil mizan min hasnil khuluq. Il n'y a pas quelque chose de plus lourd, il veut dire yawm al qiyama, dans la balance que le bon comportement. C'est pour ça que quelqu'un, يعني فازون كي فوغولا العز وجل يعني بطل يعني كومو كي با فير سويلا بوغ فير لو مون نا با دارون مي اون ديا سويلا ابشر سولمون افيك تون بون كومبورتمون كي بو اتر دي ميليي دو فوا ميو كو كيلكان باغ اكزومبل كي في بوكو د صدقه دون بوكو دو لو مون مي لا تري موفي كومبورتمون سي وسمها نور 30 هذه سي لي توجور بلوكي هذه تاع لي تاع الاخر الكمبيوتر elle le rallume, elle reboot là, elle sort de la salle. Si elle ne peut pas sortir, elle l'éteint. Si elle l'éteint, je crois que s'il revient, elle ne va pas trouver son nom dans la salle. Allahu ta'ala alam. Moi j'essaye de la faire sortir, je ne peux pas. Je vais essayer une dernière fois. Ah, moi je ne peux pas, il me dit khlas, elle est dans la liste en monde, c'est elle. Non. Et il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyama ahasinukum akhlaqan. Il a dit que parmi, inna min ahabbikum, ceux que j'aime le plus, ceux que j'aime le plus d'entre vous, et ceux qui seront le plus près de moi, ou les plus près de moi, yawm al-qiyama, ce sont ceux qui ont, le meilleur comportement. Ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Aujourd'hui, on va aller à un autre hadith, inshallah ta'ala, le hadith 1233. C'est un hadith sahih, authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-banu al-baqari shifa'un. Al-banu al-baqari shifa'un. Les laits des vaches sont un médicament. Le lait de la vache est un médicament. Wa samnuha dawa'un. Et qui sortent le beurre, ou samnada qui ressemble au beurre, il a dit, c'est un médicament aussi. Dawa'un. Dawa'un. C'est un médicament. Il a dit, le lait, c'est une guérison. Shifa'un. Wa samnuha dawa'un. Et son beurre, samnada, c'est quoi? C'est un médicament. Wa luhumuha da'un. Et sa viande de la vache, c'est quoi? C'est da'un, c'est une maladie. C'est-à-dire que, la vache, on profite de son lait et de ce qu'on extrait du lait.
le beurre, etc. Mais en principe, on ne doit pas manger beaucoup de viande de vache. Pourquoi? Parce que la viande de la vache, elle peut faire des maladies. Elle peut faire des maladies pour celui qui en mange beaucoup. Pour celui qui en mange beaucoup. C'est à peu près un peu comme le cheval. Le cheval, vous savez qu'il est permis d'en manger. Il est permis d'en manger quand on l'égorge, bien sûr, comme dans le hadith de Bukhari, de Asma qui a dit on mangeait, là on a mangé le cheval au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne faut pas aussi en manger beaucoup. J'ai entendu dire ou bien lu que si on mange beaucoup, on risque d'attraper une maladie parce qu'ils donnent beaucoup de vers. Ils donnent beaucoup de vers dans le ventre. Il fait les vers dans le ventre et fait autre chose. C'est pour ça que il est bien de le manger de temps en temps seulement, surtout quand on est faible, ou bien qu'on a l'anémie, ou bien qu'une femme, par exemple, vient d'accoucher. Quand une femme vient d'accoucher, etc., on lui achète, si elle est du genre qui mange, car il y a des gens qui n'acceptent pas de manger la viande du cheval. C'est pas que c'est haram, mais ils peuvent pas, ils disent, je peux pas manger cette viande. C'est pour ça que certains maris l'achètent sans dire que c'est la viande du cheval. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'elle a beaucoup d'importance pour une femme qui est très faible et qui vient d'accoucher. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, 1237, dans un hadith qui est bon, Hassan, 1237, Abu Talib n'écrit pas beaucoup, Jazakallahu khair, n'écrit pas beaucoup de l'affiche. Comme ça, je peux pas lire le Wasmo. Dans le livre, est-ce qu'il y a la fenêtre? Déjà, j'oublierai pas de dire une chose, j'oublierai pas de dire une chose. Non. Quand je dis que, écrivez au maximum, surtout les frères et les sœurs qui n'ont pas de point rouge, par exemple, n'écrivez jamais une chose quand vous n'êtes pas sûr. Quand quelqu'un n'est pas sûr d'une chose, c'est pas la peine qu'il l'écrive. Hatta, il est sûr que cette chose, c'est comme ça. Je parle quand c'est dans le dîna. Il n'écrit jamais une chose quand il n'est pas très sûr que c'est elle. À quoi penser quand je parlais du mali, c'est le liquide visqueux. Quelqu'un m'a écrit le liquide, c'est le liquide prostatique. C'est pas le liquide prostatique. J'avais même pas eu le temps de répondre. Je me suis dit dans la tête, mais j'ai oublié après. Ebouliette, c'est le liquide spermatique. C'est pas le liquide spermatique non plus. C'est pas le liquide spermatique. Il y a trois liquides. Il y a le liquide qu'on appelle le sperme. Il s'appelle le liquide séminal. Séminal. Naam, le mani. Ensuite, il y a le madi. Naam, le madi. Ça, séminal. Ensuite, il y a le madi. Le madi qui sort quand on embrasse sa femme ou là on s'amuse avec elle, ça s'appelle le madi. C'est le liquide visqueux. Ensuite, il y a un autre liquide qui sort seulement quand on urine, qui se trouve chez les hommes, chez les femmes, je ne sais pas, seulement quand on urine. Il s'appelle le liquide prostatique. Donc, inshallah ta'ala, quand quelqu'un n'est pas sûr d'une chose, c'est pas la peine qu'il l'écrive parce que il risque de tromper les autres et moi je suis en train de dire une chose et lui va dire autre chose, qui est tout à fait le contraire de ce que j'ai dit. Barakallahu fikum. Le prophète alayhi salam a dit dans un hadith qui est bon, Hassan, il a dit Iltamisu sa'ata allati turja fi yawm al-jumu'ah ba'd al-'asr ila ghaybubati ash-shamsi. Le prophète alayhi salam a dit dans un hadith qui est dans Sahih Muslim et les autres que le jour du vendredi, il y a une heure, une seule heure, il y a une heure. Si jamais on fait les doigts pendant cette heure, le doigt sera exaucé. Et bien sûr, personne ne le connaît exactement quand est-ce cette heure, quand est-ce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aidés. Il a dit, ba'd al-asr. Yani, attendez cette heure, elle sera ba'd al-asr, après salat al-asr, jusqu'à ce que le soleil, avant que le soleil ne se couche. Donc c'est pas la peine de l'attendre, par exemple, le matin ou après le Jumu'ah. Elle n'est pas après le Jumu'ah ni le matin. Elle est après salat al-asr. Et certains ulama, j'ai lu qu'ils ont dit, plus on va vers le coucher du soleil, plus c'est l'heure avec. Pourquoi c'est cette heure exactement? Car Adam alayhi salam a été créé après salat al-asr, un peu vers le coucher du soleil. Alors le prophète alayhi salam a dit, il y a une heure entre l'asr et le coucher du soleil le vendredi où c'est exaucé. Donc n'oubliez pas, inshallah ta'ala, pour celui qui a des problèmes, pour celui qui a des machakil, pour celui qui a des soucis, pour celui qui est malade,
même pour celui qui se porte très bien. Il fait des doigts pour que Allah Azzawajal lui laisse sa santé. La santé, il peut te la prendre Allah Azzawajal. Tu as de l'argent, il peut te les prendre. Tu n'as pas de soucis, il peut te donner des soucis. Donc toi, tu dis Alhamdulillah, qui a né à l'afiya. Allahumma innaka afoun tuhibbu l'afwa fa'fu anni. Ou bien, tu fais les doigts pour les autres. Il y a des centaines. Pourquoi des centaines? Il y a des milliers. Pourquoi des milliers? Il y a des millions de musulmans et de musulmanes qui souffrent. Ils souffrent de maladies, qui souffrent de pauvreté, qui souffrent yani, de problèmes avec la femme, avec son mari, avec yani, des milliers et des millions de gens qui ont des problèmes. Vous vous faites des doigts, Inch'Allah, et n'oubliez pas vos frères, n'oubliez pas les morts, n'oubliez pas nos parents qui sont morts, celui qui a un père qui est mort, celui qui a un grand-père, celui qui a un grand-mère. Les doigts, yani, quand vous faites des doigts, vous avez des ajr. Quand vous faites un doigt à quelqu'un sans qu'il le sache, il y a un ange. Spécialement, à chaque fois que tu fais un doigt, lui il dit à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner la même chose. Par exemple, moi je lève les mains, j'ai un doigt, je dis Allahumma yani, aide X, il n'a pas besoin d'argent. Dès que je dis cela, il y a un ange qui dit, ya Allah, donne à celui-là comme tu vas donner à l'autre. Donne à celui-là aussi de l'argent. Tu demandes à quelqu'un qu'il guérisse, l'ange dit, ya Allah, fais celui-là aussi qu'il guérisse. Quand tu dis, il dit la même chose. Donc, quand vous faites des doigts, si on fait un compte, c'est nous qui gagnons aussi. Yani, chose, Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne part comme ça, rien ne se perd. Tu fais un doigt pour quelqu'un, tu as la même chose. Il suffit seulement, yani, de le laisser entre toi, Allah subhanahu wa ta'ala comme adoration. C'est pas la peine, à chaque fois qu'on trouve la personne, on lui dit, écoute, moi je te fais des doigts, si c'était pas moi, peut-être il serait pas arrivé ceci ou cela. Ça fait descendre tout ce qu'on a fait. Ça fait descendre tout ce qu'on fait. Donc, Yom Jumu'ah, c'est un jour, Azim, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un jour très très important. Pourquoi? Parce que Dieu, Allah azza wa jalla, a créé Adam ce jour-là. Il a fait rentrer Adam au paradis le vendredi. Il a fait sortir aussi, il a fait descendre le vendredi. Il lui a fait le repentir. Taba'alihi, Jumu'ah, le vendredi. Et la fin du monde ne sera que le vendredi. Naam. La fin du monde ne sera que le vendredi. Aujourd'hui, c'est mercredi. Dors, il n'est pas peur. Il n'y a pas la fin du monde, Inch'Allah. Pourquoi? Mais jeudi soir, commence à avoir peur. Pourquoi? Parce que le hadith, il a dit, elle va venir le vendredi. La fin du monde, c'est seulement un vendredi. Ni un jeudi, ni un dimanche, ni rien. Il faut qu'elle soit le vendredi. Donc c'est pour ça que ce jour-là, Eid, c'est un Eid pour les musulmans. C'est pour ça qu'il y a la grande salat du Jumu'ah. Il y a le rosl du Jumu'ah. Il y a yani, la hasana aussi. La hasana ce jour-là yani, est grande. Et le péché ce jour-là aussi, il double ou bien il triple ou bien il devient plus. Pourquoi? Parce que c'est un jour azim indallah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les ulama disent من عصى الله يوم العيد كأنما عصى يوم الوعيد. Ils disent quiconque fait un péché le jour de l'Aïd, c'est pas un hadith, hein? C'est une hikma. Ils disent quiconque fait un péché le jour de l'Aïd, comme s'il avait fait le péché le jour de la Qiyama. Le jour de la Qiyama. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ilzam baytak, c'est-à-dire reste dans ta maison et yani ilzamha yani soit beaucoup dans ta maison. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle surtout de rester dans la maison, surtout quand il y a les fitnas. Quand il y a les fitnas dehors, la fitna dehors, il vaut mieux rester dans la maison et ne pas voir avec ses yeux et ne pas participer. Des fois, les kharijites et les khawarij, ils font la fitna. Ils disent, on doit combattre le gouverneur. Et ils vont ramener des sabres, des couteaux, ils vont ramener je ne sais pas quoi, des pistolets qu'ils ont fabriqués, je ne sais pas quoi, des bombes. Ils vont faire des grands attroupements, ils vont dire, on va faire la guerre. Toi, quand tu vois cela, tu es obligé, sinon, yani, tu as des péchés, de rentrer dans la maison et de fermer la porte à clé. Au point où, il est même interdit d'essayer de comprendre, par exemple, d'ouvrir la fenêtre, essayer de voir ce qui se passe, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il y a la fitna, éloigne-toi, etc., il a dit,
Il a dit, quiconque, il veut voir ce qui se passe, il veut demander, il veut descendre dans la rue juste pour voir ou la demander qu'est-ce qui se passe là, il rentre dans la fitna. Tu descends, il y a sans intention. Tu dis, je vais voir ce qui se passe. Tu descends en bas, quelqu'un te parle, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer, tu rentres avec eux. Tu deviens, l'ayadou billah, de ceux dont le subhanahu wa ta'ala est courroucé. Il fitna. Alors, en général, plus on est à la maison, plus on a les yeux, yani, qui ne voient pas le haram. On est chez soi, on est avec ses enfants, on est avec sa femme, on lit un livre, on discute, on fait n'importe quoi, et c'est mieux que d'être dans la rue. D'ailleurs, je dis autre chose. Celui qui, yani, il frappe à porte et il sort, il sait pas pourquoi, il dit, je sais pas ce que je vais faire, j'ai tourné. Alors, celui-là, miskin, il perd beaucoup de temps. Tu vas tourner où? Quand on sort de la maison, on sort pour un but. On n'a pas de but, on est à la maison. Quand je sors de la maison, je me dis dans la tête, je vais aller voir X, ou bien je vais aller chez X, ou bien je vais aller dans tel endroit, ou bien je vais aller acheter, ou bien je vais aller. Mais c'est pas, je sors comme ça, je ne sais pas où je vais. Là, je le dis dans le Coran, waqsid fi mashyik, waqsid fi mashyik. Donc, en principe, le musulman, le croyant, il a toujours, il y a un plan avec lequel il est tracé, il marche. Je dis le matin, je dis le Coran, le soir je fais ceci, l'après-midi je fais cela. C'est pas le genre qui est là en train de tourner dans la rue, c'est pas ce qu'il fait. Il est en train de tourner et de perdre le temps. Le temps, on ne doit pas le perdre. On ne dit pas comme les autres, je vais perdre le temps. On ne perd pas le temps. Le temps, c'est très 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 important. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit ni'matan, deux grandes ni'mas. Deux grandes ni'mas, marbounun fihim kathirun min nas. Deux grandes ni'mas, beaucoup de gens yani, ne connaissent pas leur valeur et en sont lésés dans ces deux ni'mas. Et qu'elle, il a dit seha, la santé, il fait rare, yani, libre, il n'a rien à faire. Celui-là, celui qui n'a rien à faire, qui passe son temps à tourner dans la rue, celui-là, peut-être qu'il se remplit de péché, il ne sait pas pourquoi, il regarde le haram, il entend le haram, en plus de ça, il perd son temps. Pourquoi? Je ne suis pas à la maison en train de lire un livre ou la réviser ou la de faire apprendre à mes enfants ou la de discuter avec ma femme. Qu'est-ce que je suis en train de faire dans la rue comme ça? Ils sont en but. Errant, gère dans la rue. Adal, le multazm, il ne fait pas cela. Tu trouves un multazm dans la rue, tu lui dis qu'est-ce que tu fais ici? Tu lui dis voilà, j'ai un but. Il va aller ceci, par là. Mais ce n'est pas comme ça. Erre, je ne sais pas ce que je fais. Oh là, qu'est-ce que tu fais là? Oh là, je ne sais pas. Je suis en train de tourner comme ça. Je ne sais pas. Gère. Ça, c'est le chat qui erre et le chien errant. Mais le multazm, il a quoi? Il a un programme qu'il veut appliquer, il ne veut pas perdre de temps, il sait qu'il peut mourir d'une minute à l'autre, donc il est très avare, question de temps. Question de temps, il est très avare. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith hassan, il a dit, ilzim rijlaha, fa thumma al-jannah. Il parle de quelqu'un, il se concerne sa mère. Il lui dit, ilzim, rijlaha, yani, soit yani, devant ses pieds, le pied de ta mère, fatem al-jannah, le paradis, c'est là-bas qu'il se trouve, devant le pied de ta mère. Et dans un autre hadith, il a dit, ilzimha, yani, reste collé à ta mère, fa inna al-jannah tahta aqdamiha. Le paradis se trouve sous ses pieds. Ça, c'est un hadith bon, et le premier, c'est un hadith sahih. J'avais vu une fois qu'il y a un hadith qui est très connu, mais malgré cela, il n'est pas vrai, il n'est pas authentique. C'est le hadith qui dit, Innal jannata tahta aqdam al-ummahat. Le paradis est sous les pieds des mères. Ce hadith, comme ça, avec ces mots, Al jannatu tahta aqdam al-ummahat, n'est pas vrai, n'est pas authentique. Un hadith faible ou bien, yani, très faible. Mais le hadith qui est bon, il dit, il parlait d'une mère. Il lui a dit, ta mère, yani, soit collée à elle, le paradis se trouve sous ses pieds. Ça veut dire, certes, le paradis se trouve sous les pieds des mères, mais je veux dire, il n'y a pas un hadith qui dit le paradis se trouve sous les pieds de la mère. Il y a un hadith qui dit, le prophète a dit à quelqu'un, colle-toi devant les pieds de ta mère, le paradis se trouve sous ses pieds. J'espère que vous avez compris la différence entre la première chose et la deuxième. Non.
La mère, comme vous savez, celui qui l'a, celui qui lui obéit, يطيعها يعني فإن له أجرا فإن له أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. Il a un grand grand أجر. Pourquoi? Parce que comme c'est dans le hadith de Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, le Cheikh Albani a dit authentique dans son livre Al-Adab al-Mufrad, Abu Huraira a dit, il y a un homme qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que tu m'ordonnes? Yani mal ta'muruni. Qala birra ummak, obéis à ta mère. L'homme est parti, revenu, il lui a dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Il lui a dit, birra ummak, la deuxième fois. Il est parti, il est revenu. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il lui a dit, birra ummak, la troisième fois. Il est parti, il est revenu. Il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, birra ummak, la quatrième fois. Non, la quatrième fois. Ensuite, il est parti, il est revenu, la cinquième fois. Il lui a dit, birra abak, obéis à ton père. Le hadith le plus connu, il dit trois fois. Hein, trois fois la mer, une fois le pain. Mais ça, c'est un autre hadith qui montre que le prophète a dit quatre fois, et non pas seulement trois fois. Il a dit quatre fois ta mère, ta mère, ta mère, ta mère. La cinquième fois, dans ce hadith de Adab Mufrad, il a dit ton père. C'est dire que yani, obéir à la mère, c'est vraiment yani, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi nous on obéit à nos mères ou à nos parents? C'est parce qu'Allah aime cela. C'est parce qu'Allah aime cela et yani, plus on obéit à nos mères, plus Allah Azza wa Jal est yani, ravi de nous. Plus Allah Azza wa Jal est ravi de nous. Ensuite, je donne quelques, par exemple, d'autres hadiths où là où il parle de la mère. Il y a un hadith aussi qui est sahih, dans le sahih Abi Daoud, le Cheikh Al-Albani. Qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'a aradloun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Faqala di'tu ubayi'ka ala al-hijra. Je suis venu, yani, te faire la bay'a, l'allégeance avec, pour, yani, le bay'a, pardon, pour l'hijra. Yani, que je vais faire l'hijra. Et j'ai laissé, wa taraktu abawi ibkiyan. Et j'ai laissé mon père et ma mère en train de pleurer. Je les ai laissés en train de pleurer. Et je suis venu pour faire ma bay'a avec toi pour faire la hijra. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال دي لفظ صلى الله عليه وسلم il a dit ارجع إليهما reviens vers eux فأضحكهما كما أبكيتهما reviens vers eux et fais-les rire comme tu les as fait pleurer, c'est-à-dire c'est pas la peine d'aller avec moi et de faire la hijra, mais reviens vers tes parents et fais-les rire comme tu les as fait, comme tu les as fait pleurer. نعم. Et ça c'est un hadith sahih de Abu Daoud de yani, Sahih al-Albani. Ensuite, il y a un autre hadith, je ne sais pas, yani, là-bas, je ne suis pas connecté. Est-ce qu'il y a le son? Il y a une saute. Il saute. السلام عليكم ورحمة الله. كاين صوت ولا ما كاينش؟ كاين صوت بارك الله فيكم. نعم. دون ان اوت حديث ك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ابو كيلكان كي فوزي طواف اوتور دو لا كعبه طواف اوتور دو لا كعبه اون ايون سا مير سور لو دو. Quelqu'un faisait le tawaf autour de la Kaaba ayant sa mère yani, sur le dos parce qu'elle était âgée. Il faisait le tawaf avec yani, elle étant sur son dos. Ensuite il a dit à Abdullah ibn Omar, est-ce que tu crois que yani, quand j'ai fait cela yani, je lui ai donné ses droits ou là?
Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Yani en ce sens, il lui a dit, yani, un seul, comment dire, un seul soupir, ou là, un seul, yani, cri, ou là, de ta mère, yani, tout ce que tu as fait ne vaut pas un seul soupir de ta mère. Yani, par exemple, quand la mère, yani, est fatiguée, ou là, quand la mère a accouché, ou là, quand la mère, yani, ce qu'elle a fait une seule fois, tout ce que tu as fait toi, yani, ça peut pas égaler, tellement, yani, la femme, pardon, tellement la mère, yani, elle a des droits sur nous. Non, tellement la mère a des droits sur nous. Ensuite, il y a un hadith sahih, plutôt Hassanah ou Sheikh Al-Albani, où il dit que Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, Abu Huraira, il a dit, c'est quelqu'un qui a dit, il a dit, je suis parti avec Abu Huraira, c'est le maula de Umhani, il a dit, je suis parti avec Abu Huraira, où il habitait. Je suis parti avec Abu Huraira, où il habitait. Qal, lorsqu'il arrivait là-bas, lorsqu'il arrivait chez lui, dès qu'il rentrait, il avait une maison et comme ça, il y a un grand jardin. Avant d'arriver à la maison, de loin, que disait Abu Huraira lorsqu'il arrivait? De loin, il disait à voix haute. Il disait, Assalamu alaykum, il parlait de sa mère. Wa rahmatullahi wa barakatuh, ya ummatah, oh chère mère. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'arriver à la maison, mais elle l'entendait. Elle disait de loin. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, il disait, Rahimakillahu, oh ma mère, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala yarhamak. Rahimakillah, kama rabbaytini saghira, comme tu m'as élevé quand j'étais petit. Et elle lui disait, elle, ya bunayya, oh mon fils, wa anta jazakallahu khayran, et toi jazakallahu khayran, wa radiyallahu anka, kama barartani kabira, et toi jazakallahu khayran, je te remercie beaucoup de m'avoir yani aidé, obéi, etc., quand maintenant je suis grande. Regardez Abu Huraira comment qu'il faisait avec sa mère. Il disait à chaque fois qu'il rentrait, il disait cela. À chaque fois, elle lui répondait comme ça. Yani, tellement il était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tellement il savait quel est le vrai rang de la mère. Ensuite, je vous ai raconté un autre hadith, mais ça fait rien, je le répète encore une fois. C'est un hadith mawquf, hadith d'un sahabi, mais il est hassan, il est bon. Cheikh Al-Albani a dit, c'est un hadith bon. Il est dit que l'Awwam ibn Hawshab radiyallahu ta'ala anhu, c'est un sahab, c'est un tabi'i radiyallahu ta'ala anhu, il a dit que nazaltu maratan hayyan, je suis descendu une fois dans un quartier ou là une ville ou là dans un endroit comme ça, wa ila janib dhalika al-hayy, et à côté de ce quartier il a dit il y avait un cimetière, maqbara. Falamma kana ba'd al-'asr, ensuite quand c'était juste après l'asr, yani l'asr, l'adhan ta' l'asr, il a dit in shaqqa minha qabrun, j'ai vu un tombeau ou là une tombe s'ouvrir, j'ai vu une tombe s'ouvrir, fa kharaja rajulun ra'suhu ra'su himar, et j'ai vu quelqu'un sortir de la tombe avec la tête d'un âne, wa jasaduhu jasad insan, et son corps, le corps d'une personne, un être humain est sorti de la tombe avec une tête d'âne. Fa nahaqa thalath nahaqat, il a braillé trois fois, il a fait comme l'âne quand il crie, il a braillé trois fois. Thumma intabagha ala al-qabr, et ensuite il est rentré de nouveau dans sa tombe. Ensuite il a dit, فَإِذَا عَجُوزٌ تَغْزُلُ شَعْرًا عَفْوًا, et j'ai vu à côté de moi là, un peu plus loin, une femme qui était en train de tricoter, أو صوفًا, tricoter يعني l'akhor صوف, فَقَالَتْ إِمْرَأَةٌ تِلْكَ الْعَجُوزُ, أو une femme m'a dit, tu vois la femme là-bas, قُلْتُ مَا لَهَا, نعم, qu'est-ce qu'elle a cette femme, elle m'a dit, قالت تلك أم هذا, la femme tu vois là-bas, c'est la mère de celui qui vient de sortir de la tombe. قلت وما كان قصته, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'était, quoi son histoire celui-là, قالت, elle a dit, كان يشرب الخمرة, il buvait de l'alcool,
فإذا راح في البارا ميزون تقول له أمه فمر لويدي يا بنيا اتق الله إلى متى تشرب هذه الخمر أو مون فيس يعني كان الله سبحانه وتعالى jusqu'à quand tu bois cet alcool فيقول لها il lui répondit إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار toi يعني tu brailles comme braille l'âne voilà toi يعني tu brailles comme braille يعني tu es en train de parler dans le vide comme on dit et tu fais comme l'âne قالت elle a dit فمات بعد العصر alors son fils est mort après salat al-asr قالت فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم et à chaque fois juste au moment où il est mort après l'asr il y a la tombe qui s'ouvre et il sort فينهق ثلاث نهقات il braille trois fois ensuite il rentre dans sa tombe ثم ينطبق عليه القبر قال الشيخ ناصر الدين الألباني حسن الموقوف قال ce hadith est bon يعني rapporté par ce sahabi سبحان الله العظيم هذا يعني الله عز وجل lui a donné quoi la tête d'un âne pourquoi parce qu'il disait à sa mère braille comme braille l'âne ah, lui dit à mon fils arrête de boire il lui dit braille comme braille l'âne سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله regardez comment الله عز وجل يعاقب الناس لا حول ولا قوة إلا بالله et un autre hadith qui est sahih aussi dans l'adab al-mufrad du Sheikh al-Albani qui est aussi un hadith sahih il a dit hadith sahih أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه le compagnon que tout le monde connaît le compagnon Jalil رضي الله تعالى عنه أتاه رجل un homme est venu pour, c'était un grand alim vous savez que Abdullah ibn Abbas c'est Habr al-Umma car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enlacé et a demandé à Allah Azza wa Jal lui a dit Allahumma faqihu fi din wa allimu ta'wil Allah Azza wa Jal lui a exaucé son vœu c'est l'un des plus grands savants qui connu l'islam Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala qui est un petit sahabi c'est pas un grand sahabi c'est un petit sahabi parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort il ne l'a laissé que tout juste pubère là avant la puberté c'est tout ça c'est un petit sahabi mais de ilm c'est l'un des plus grands sahabas comme vous devez savoir alors un homme est venu lui poser une question qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit khatabtu j'ai demandé la main d'une femme فأبت أن تنكحني elle n'a pas voulu m'épouser وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه et un autre lui a demandé sa main elle a voulu l'épouser elle a accepté فغرت عليها et j'ai été très jaloux فقتلتها je l'ai tué فهلي من توبة est-ce que j'ai un repentir est-ce que si je fais le repentir il est accepté car vous savez que Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما alors celui-là il a tué يعني sciemment hein? C'est pas يعني inconsciemment là sans vouloir il l'a tué il a dit j'ai été jaloux je l'ai tué elle m'a pas accepté elle a accepté un autre alors il a dit Abdullah ibn Abbas est-ce que j'ai un repentir qu'a répondu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu il lui a dit ummuka hayya ta mère est-elle vivante qala la il a dit non ma mère est morte qala idan qala tub ila Allah azza wa jal fais le repentir وتقرب إليه ما استطعت et essaie de t'approcher de lui le maximum يعني donne de l'argent fait de la prière beaucoup la nuit etc fait somme beaucoup قال فذهبت يا quelqu'un qui était une autre personne a dit فذهبت فسألت عبد الله بن عباس il a dit je suis parti j'ai demandé عبد الله بن عباس لما سألت عن حياة أمه pourquoi tu lui as demandé si sa mère était vivante il t'a répondu non Abdullah ibn Abbas a répondu لأني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة il lui a dit parce que je ne sais pas ou je ne connais pas en islam une action ou des actions qui يعني que الله عز وجل aime et qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que obéir à sa mère
Ça veut dire, je lui ai demandé, est-ce que ta mère est vivante? S'il m'avait dit oui, je lui aurais dit, va chez elle et obéis-lui. Birraha, yani fais-lui tout ce qu'elle veut. Lave-lui les pieds, va lui acheter ce qu'elle veut, donne-lui ce qu'elle veut, etc. Yani, mais puisqu'il n'a pas de mère, il lui a dit, et donc fais le repentir. Donc c'est dire que, yani, regardez, quelqu'un qui peut tuer, tuer, c'est pas quelque chose de facile, tuer quelqu'un, c'est pas quelque chose yani, de facile, et pourtant, yani, s'il obéit à sa mère beaucoup, et à Barraha, Allah Azza wa Jal lui pardonne. C'est dire que quoi? C'est dire que donc obéir à sa mère, yani, c'est vraiment quelque chose, yani, de peut-être il n'y a pas plus avant quoi? Avant yani, le ta'at Allah, après ta'at Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Et il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, il a dit wa ati' walidayk, wa ati' walidayk. Yani, obéis à tes parents. Wa in amarak an takhruja min dunyaka fakhruj lahumma. Et s'ils te demandent de sortir de toute cette vie, la dunya, yani, sors. Classe, ils te disent laisse-nous toute la dunya. Il a dit tu la laisses et tu sors. Laisse-leur la dunya. Ils veulent la voiture, donne-la. Ils veulent la maison, donne-la. Classe, donne la maison, donne la dunya. Donne. Tu veux gagner l'au-delà, donne-leur la dunya. Donne-leur la dunya. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Donc, c'est dans le hadith qui disait elzimha fa inna al-jannata tahta aqdamiha. Elzimha fa inna al-jannata tahta aqdamiha. Ensuite, dans un bon hadith, 1251, quelqu'un s'est converti en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alqi anka sha'r al-kufr. Yani, jette de toi, yani, va raser les cheveux de kufr, les cheveux de kuffar. Va raser les cheveux de kuffar pour martatin. Et puis, fais la circoncision. Quand il lui a dit rase tes cheveux, les ulama ont dit c'est pas quiconque qui rentre en islam, on lui dit tu es obligé de raser tes cheveux quand tu es obligé de te circoncire. La circoncision, certes, quelque chose d'obligé. Mais les cheveux, non. On lui dit va raser tes cheveux dans le cas où lorsqu'il fait, il fait le repentir, il se convertit, il avait des cheveux qui ressemblaient aux cheveux de kuffar. Il y a une mode des kuffar, par exemple, ils laissent comme ça au milieu, ou là ils enlèvent de côté, ou là ils font un ballon avec les cheveux, les dessinent une femme. Voilà, si tu as comme ça, va raser les cheveux des kuffar. Et cette coupe, c'est une coupe de kuffar. C'est pour ça que le prophète Islam lui a dit rase tes cheveux. Mais si quelqu'un qui est converti, il a les cheveux comme ça, une coupe normale, on ne lui dit pas va te couper les cheveux. Mais on lui dit tu dois te circoncire. Tu dois faire la circoncision. Pour l'homme, elle est obligatoire. C'est le signe avec lequel on voit si celui-là est kafir ou là s'il est musulman. Ça ne veut pas dire que celui qui ne l'a fait pas, il est kafir. Non. Mais, yani, c'est devenu le signe. Yani, ça s'est propagé comme ça en islam, qu'on reconnaît le musulman de l'autre si on voit qu'il s'est circoncis. Et la circoncision pour la femme n'est pas obligatoire. Elle est seulement makram, yani, celle qui veut la faire. Elle l'a fait comme on l'a fait beaucoup en Égypte, au Soudan et pays chauds, etc. Si elle ne veut pas la faire, elle ne veut pas la faire. Parce qu'il y a beaucoup d'Égyptiens, si vous voulez, ulama d'Égypte, qui disent que pour la femme, il est obligé qu'elle fasse sa circoncision. Et cela n'est pas vrai, inshallah ta'ala. Le vrai, c'est seulement pour l'homme. L'homme, s'il ne la fait pas, il a un ism, il a des péchés. Quelle est la preuve qu'elle est obligée, la circoncision? Premièrement, le hadith, il a dit khtatin. Et deuxièmement, c'est que quand quelqu'un, celui-là que le prophète alayhi salam lui a dit, va faire la circoncision. Il était âgé, celui-là. Il lui a dit, fais la circoncision. Quand il va faire la circoncision, il est obligé de montrer ses parties intimes au médecin. Or, on a le droit de montrer nos parties intimes que au médecin que si c'est quelque chose d'obligé. Naam, c'est une preuve donc que la circoncision est obligée. Parce qu'on ne montre pas au médecin nos parties intimes pour une chose qui n'est pas obligée. Mais puisqu'il est obligé, il y a de voir là-bas qu'on lui montre les parties intimes. C'est pour ça que les ulama ont dit voilà une preuve que la circoncision est obligatoire. Et Cheikh Ben Othaymin a ajouté une deuxième preuve. Il a dit se couper quelque chose du corps est interdit. Naam, beaucoup de gens ne savent pas. Il te dit le corps,
mon corps, je fais ce que je veux. Je me coupe les doigts, les oreilles, le nez. Ah non, 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 c'est pas vrai ça. Attention, tu te trompes. Tout ça, c'est appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est pas ton père qui t'a construit. Ton père n'a pas ramené yani, une djeld, etc. Il t'a construit. Non, c'est Allah azzawajal qui t'a créé. Toi, tu appartiens à Allah. C'est pour ça que tu dis Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah. On n'appartient pas à mon père ni à X. C'est pas X qui m'a construit, comment on construit une voiture. C'est pas une poupée qu'on construit. Donc tu n'as rien, tu n'as pas le droit de toucher quoi que ce soit en ton corps, sauf ce que Allah a permis que tu coupes ou que tu enlèves. Comme la circoncision. Donc Cheikh Mouhoudi m'a dit, la preuve, yani que c'est haram, et maintenant on peut couper cette partie. On peut couper cette partie, donc c'est une preuve que c'est wajib. Parce qu'il a dit, on ne coupe pas quelque chose, c'est interdit de couper. Donc, puisqu'on a coupé, ça veut dire que c'est obligé de couper. Il a dit, voilà une preuve que la circoncision est obligatoire. J'ajouterai que, comme il a dit, on enlève les cheveux, on enlève aussi, vous savez qu'en islam, on doit aussi enlever les poils qui sont sous les aisselles, qui sont dans les parties intimes, les ongles, toutes ces choses-là, il est interdit en islam de les laisser plus de 40 jours. 40 jours, il est interdit de les laisser plus. Si on les laisse plus de 3 mois, 4 mois, les poils et les ongles et la hauteur de l'élève, ça on dira comme a dit Ibn Arabi, rahmatullah, le grand alim maliki, il a dit celui qui fait cela, il devient dans un état qui ne ressemble pas à un être humain. Comment alors il ressemblerait à un croyant, à un musulman? Non. Celui-là, c'est quoi? C'est un gorille. Celui-là, c'est un gorille. Avec les poils comme ça, les ongles qui font 20 cm. Celui-là, c'est un gorille. Comment serait-il alors un croyant? Donc, en islam, il est interdit de laisser ces choses-là plus de 40 jours. Plus de 40 jours. Les ulama disent la meilleure chose en ce qui concerne les poils, c'est de les enlever. C'est difficile à dire. Yani, c'est pas de les couper, c'est de l'enlever à ras, de les enlever à ras. Yani, c'est pour ça qu'il y a maintenant des rasoirs, etc., qui enlèvent à ras. Yani, elles enlèvent le poil, yani, il l'extrait. La sunna, c'est d'enlever, par exemple, sous les aisselles avec les mains. Mais quand je dis la sunna, ce n'est pas obligé. Celui yani, qui peut faire cela, il le fait. Mais beaucoup ne le font pas parce que ça fait mal et ça fait même couler un peu de sang. Ça fait même couler un peu de sang. Je connais des gens qui le fassent avec la main comme ça, ils se sont habitués. Elle fait saut. Salam alaikum wa rahmatullah. Elle fait saut. Naam, parce que j'étais déconnecté, je viens de rentrer de nouveau. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Akhir ce que je disais, Abou Lia Soulaoum Mishab, qu'est-ce que je disais la dernière des choses? J'étais où? Je parlais de. Il fallait couper les cheveux, les poils, d'accord. J'ai dit que c'était interdit de laisser les poils et les ongles plus de 40 jours. Plus de 40 jours. Certains, voilà. Certains frères, peut-être ça se trouve aussi chez les femmes, mais j'ai vu ça chez beaucoup de gens, beaucoup d'hommes. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils te disent d'accord, j'enlève les ongles, ils laissent seulement l'ongle du petit doigt, l'auriculaire, je crois que ça s'appelle l'auriculaire, le petit doigt. Ils laissent seulement cet ongle assez grand. Subhanallah al-Azim, où est le dalil que tu peux laisser celui-là? Le dalil te dit quoi? Il te dit, oh là, je travaille avec cet ongle, là, j'ai besoin de lui. Il se gratte, je sais pas ce qu'il fait, il frotte avec, il te dit, oh là, j'ai besoin de cet ongle. Peut-être il emploie même comme tournevis. Il va tourner avec cet ongle, les vis. La hawla wa la quwwata illa billah. Celui-là, on lui dit, écoute, c'est le shaitan qui te fait dire cela. Si tu veux obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu enlèves tous tes ongles. Tu ne laisses aucun ongle. Maintenant, si tu veux, tu choisisses, tu fais ce que tu veux toi. Ça, c'est autre chose. Le premier homme qui s'est circoncis dans sa vie, c'est Ibrahim alayhi salam. Il s'est circoncis à l'âge de 80 ans avec ce qu'on appelle la pioche. On m'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
يعني أول من اختتن إبراهيم اختتن بالقادوم بالقادوم c'est pas ça s'appelle la pioche le truc avec lequel on creuse la terre la hachette hein? La hachette je ne suis pas très sûr la hachette c'est mzabra avec mzabra c'est le qadoum qadoum c'est quelque chose qui a comme ça un petit bâton ensuite quand tu vas au jardin hein, tu frappes comme ça avec tu frappes la terre et tu enlèves yani l'herbe etc. C'est une petite chose avec laquelle la pioche, donc c'est la pioche, c'est la pioche, une petite pioche. Donc Ibrahim a.s. c'était le premier dans la vie, bien dans le monde musulman, à avoir fait la circoncision. Il l'a faite à l'âge de 80 ans. Pourquoi à l'âge de 80 ans? Parce que c'est à cet âge-là que Allah Azza wa Jal lui avait dit de faire la circoncision. Et la première femme dans le monde avoir fait la circoncision, ce qui est aussi c'est Hajar. C'est Hajar et sa femme aussi, dont l'histoire vous connaissez, quand Sarah a donné à Ibrahim Hajar comme yani bonne, pour qu'elle soit chez lui comme bonne. Ensuite, elle savait pas que quand il l'a épousé, qu'elle allait accoucher d'un enfant, de Ishaq. Alors, Sarah yani a été jalouse au point de elle a juré par Allah qu'elle allait lui couper yani trois morceaux de sa peau. Elle a juré par Allah, tellement elle a été jalouse, que je vais lui couper trois morceaux de son corps. Maintenant elle a juré, elle ne peut pas revenir en arrière. Ibrahim a.s. lui a donné une ruse shar'iyya. Il y a la ruse qui est shar'iyya, il y a la ruse qui est licite et la ruse illicite. La ruse licite, c'est que Allah Azza wa Jal yani, ne hait pas. C'est comme lorsqu'il a dit par exemple Souleymane, il a dit aux deux sœurs, qu'est-ce qu'il a dit? Elles se sont disputées le bébé, il a dit apportez-moi un couteau, je vais le couper en deux. C'est une ruse. Pourquoi? Comme ça la petite elle a dit non, il n'est pas à moi, il est à la grande. C'est une ruse pour arriver à savoir à qui appartient le bébé. Ça c'est une ruse yani, licite, qui est permise. Et comme a dit le cheikh dans Sourate Yusuf, in kana qamisu quddam min qubul fa sadaqatu wa min kadibin min dubur fa sadaqatu wa min kadibin wa in kana qamisu quddam min dubur fa kadabat wa min sadiqin. Il a dit il faut voir aussi yani le vêtement où il a été coupé, ça aussi est une ruse. Donc Ibrahim alayhi salam lui a montré une ruse, il lui a dit toi tu as juré par Allah de lui couper trois morceaux de son corps, je vais te donner une idée, tu lui coupes un peu, tu fais deux trous dans les oreilles pour les bagues, pardon, où on va mettre le, comment ça s'appelle, le qui se met à l'oreille. Donc tu lui fais deux trous dans l'oreille, ça veut dire quand on fait un trou on a enlevé un morceau de la peau, parce que les boucles d'oreilles, non, quand on fait un trou sur l'oreille, dans l'oreille, c'est qu'on a enlevé un peu de, du corps, on a enlevé un peu de la peau, il y a un morceau de viande qui est parti, on a fait un trou. Donc il lui a dit tu fais deux trous dans les oreilles et tu coupes la troisième chose qui reste, c'est de la circoncire, tu lui fais la circoncision, tu lui enlèves de l'autre côté. Donc il lui a montré, et c'était Hajar, la première femme dans la vie à avoir été circoncise. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je passe à un autre hadith où il a vu, je sais même pas où j'étais, il a vu une femme en train d'appeler un garçon et de lui dire ta'ala u'atik, ta'ala u'atik, viens je te donne. C'est comme s'il avait quelque chose, elle avait quelque chose dans la main comme ça fermé, et lui disait viens que je te donne. Ensuite l'autre n'est pas venu, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, et s'il était venu, qu'est-ce que tu lui aurais donné? Elle a ouvert sa main, il a trouvé quelque chose, une date ou je ne sais pas quoi, ou là, un bonbon ou là. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit ama innaki law lam tu'tihi shay'an kutiba 'alayki kadhiba, ama innaki law lam tu'tihi shay'an kutiba 'alayki kadhiba. Il a dit ben je t'avertis que s'il était venu et il n'avait rien trouvé dans ta main, tu avais ouvert ta main, on n'avait rien trouvé, Allah azza wa jalla aurait écrit un mensonge. Regardez nous comment on joue avec les enfants,
viens, je te donne, ensuite il n'y a rien, viens, je t'achète, on lui achète rien, demain je vais te faire souffrir, c'est pas vrai. Tout ça rentre dans les mensonges qu'on va trouver demain, le jour où on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, on va beaucoup, beaucoup le regretter. Car beaucoup de gens disent, c'est un enfant Allah, on peut lui mentir. Qui t'a dit qu'on peut mentir à un enfant? Qui t'a dit? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Le prophète salam, a dit, il y a trois endroits où on peut mentir. L'homme ment à sa femme lui ment à lui pour qu'il n'y ait pas de divorce, etc. Ensuite, on ment pour quand on va faire la guerre ou là. Je vais pas dire aux gens, je vais aller faire la guerre à l'Irak. Hein, je vais dire, je vais aller de l'autre côté. Et la troisième des choses, c'est quand il y a deux personnes ne se parlent pas, etc., je vais à celui-là, je lui dis X ne parle de toi que du bien, etc. Ensuite, je vais à Y et je lui dis X ne parle de toi que du bien, etc. Ça, c'est poussé un mensonge. Et dans ces trois cas, ils sont acceptés. L'époux avec son épouse, et l'épouse avec son époux, et les deux autres. Et quand je dis l'époux avec son épouse, c'est pas des mensonges de écoute, Inch'Allah, si tu fais cela, je vais t'acheter une chaîne là, une chaîne d'or ou là, une bague ou là, ensuite il n'achète pas. Ah, là, je mentais, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a pas dit cela, abadan. Il n'a pas dit comme ça, tu mens à ton épouse. Tu la laisses, elle souhaite, tu vas lui dire d'accord, je vais te faire ça, ensuite il ne fait pas. Non, le musulman, là, il clique pour l'ouad. Mais tu mens, quand elle commence, tu sais que ça va être grave, par exemple. Elle est très jalouse, elle va te dire, dis-moi qui tu as connu autrefois. C'est pas la peine de lui dire j'ai connu X et Y, tu vas lui faire des machakels. Quand tu sais que c'est quelque chose, c'est grave, essaye yani, de ne pas dire la vérité, sans toutefois, car pour ne pas arriver au divorce, etc., mais sans toutefois prendre cette chose comme habitude. Yani, à chaque fois il rentre, il ment. À chaque fois il rentre, il va lui mentir. Il dit, j'ai le hadith qui dit cela. Le hadith n'a pas dit cela. Il n'a pas dit tu mens quand tu respires. Il a dit quand c'est grave, entre toi et elle, tu sais ça, tu peux yani, dire des choses comme ça, ce qu'on appelle en arabe le ma'arif. Tu peux dire je n'étais pas là alors que toi tu parlais d'autres choses. Je n'ai pas vu alors que tu parlais d'autres choses. Quand tu sais que ça va aller grave si tu vas dire la vérité, ça va être grave. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Naam, Ama alimta, ne sais-tu pas, Hadith 1332, Ama alimta, ne sais-tu pas, Anna malakan yunadi fi sama et yaqul, ne sais-tu pas qu'il y a un ange dans le ciel qui dit, Allahumma ij'al li mali munfiqin khalafan, waj'al li mali mumsikin talafan. Moi je connais un autre hadith, il est aussi sahih dans Sheikh Al-Albani, où il a dit, le prophète a dit, il n'y a pas un jour où le soleil se lève sans qu'il y ait deux anges qui disent quoi? Sans qu'il y ait deux anges qui disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma, et le deuxième dit Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, je crois qu'il est dans le Bukhari, et Cheikh Al-Albani l'a authentifié, bien sûr, il dit il y a deux anges. À chaque fois que le soleil se lève, il y a deux anges qui font des doigts. Que disent ces anges? L'un des deux dit, Oh Allah, chaque personne qui fait l'aumône, il va faire l'aumône aujourd'hui, donne-lui, l'argent qu'il donne, rend-lui le double, le triple, le quadruple, etc. Rend-lui l'argent beaucoup plus qu'il n'en a donné. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Le deuxième ange, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Oh Allah, quiconque aujourd'hui va être avare, il ne veut pas donner, fais-lui perdre son argent. Ou là, fais-lui lui partir. Jusqu'à il ne trouve pas. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est grave. Donc, c'est dire que il ne faut pas avoir peur quand on veut donner l'aumône. Il ne faut pas avoir peur quand tu veux donner l'aumône. Pourquoi? Parce que tu vas la donner en la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé, c'est lui qui a dit dans le Coran, il a dit وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Il a dit tout ce que vous donnez en aumône, c'est moi qui vous le rends, c'est moi qui te le rends, je te le rends
10 fois, 20 fois, 1000 fois plus. Essaye. Si tu ne crois pas à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne quelque chose. Demain, donne 10 euros en la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regarde si ce n'est pas un jour après, ou là deux jours, ou là trois jours, ou peut-être un mois, que tu vas recevoir beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais les vrais pieux, etc., ils sont ceux-là. Les autres, ils ne remarquent pas. Tu remarques, on va lui donner beaucoup de choses, il ne va pas faire la liaison. Il croit que parce qu'il a travaillé, ou là parce que X l'aime, il lui a donné ce cadeau qui est cher, etc. Alors que ce n'est pas vrai. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de te rendre ce que tu as donné. Parce qu'il lui qui a dit dans le Coran, il a dit au main un faktum min shay'in, fahuwa yukhlifuh. Tout ce que vous donnez, moi je vous donne. Et il a dit dans un hadith qudsi qui est sahih, il a dit abdi, anfiq alik. Abdi, fais le monde, moi je fais le monde sur toi. Abdi, donne, moi je te donne. Subhanallah al-Azim. الله عز وجل أدي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. سبحان الله العظيم. Mais il faut avoir quoi? Il faut avoir يعني la conviction et la certitude dans le cœur. Que Allah Azza wa Jalla, quand je vais donner, et quand il dit quelque chose, Allah Azza wa Jalla ne ment pas, c'est écrit dans le Coran que si tu donnes, je t'en donne plus. Si tu donnes, je t'en donne plus. Donc il y a deux anges qui chaque matin font des doigts pour celui qui est avare, pour celui qui est avare et qui veut, qui a peur. Il dit non, j'ai 1000, si je donne, ça va être 999. Si je donne après, ça va être 980, ça va descendre, j'ai peur. Celui qui a peur, on lui dit, alors n'oublie pas qu'il y a un ange qui fait chaque jour des doigts contre toi. Chaque jour des doigts contre toi. Naam, tu veux pas, ensuite, et voilà, d'un coup, tu dois sortir 200 euros pour, parce que tu es tombé malade. Voilà déjà l'iqab. Et voilà, d'un coup, hop, on t'a volé une somme d'argent, tu ne l'as pas trouvé. Et voilà, cette chose qui s'est cassée, tu dois en acheter une autre. Voilà ton argent qui commence à partir parce que c'est le doua de l'ange qui a été exaucé. Et l'autre, c'est le contraire. Plus tu donnes, plus tu remplis. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه في الصلاة أن لا يرجع إليه بصره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que vous n'avez pas peur quand vous levez la tête dans la salat, que Allah Azza wa Jalla prenne votre vue, vous n'avez pas peur? Il parle de quand on est incliné. On est debout, on a lit le Fatiha, ensuite on dit Amin, ensuite on lit une surat, on la termine, qu'est-ce qu'on fait? On s'incline. Allahu Akbar, on s'incline. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ensuite on dit Sami Allah liman hamidah. Beaucoup de gens, quand ils disent Sami Allah liman hamidah, ils regardent vers le ciel, ils lèvent les yeux vers le ciel, ils disent Sami Allah liman hamida. Je l'ai vu beaucoup, je l'ai vu plusieurs fois. Beaucoup de gens font cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait cela, si après avoir levé ses yeux, quand il veut les redescendre, il ne trouve plus sa vue, il devient aveugle, qu'il ne se plaigne que lui. Qu'il ne se plaigne, pourquoi? Et moi je vous ai montré, là, je vous ai montré qu'il est, je vous ai dit qu'il est interdit de lever les yeux vers le ciel quand vous dites Sami Allah liman hamida. Maintenant soit tu lèves tes yeux, si tu deviens aveugle, hein, c'est pas la peine d'aller à l'hôpital. Là. Tu savais que il est interdit de lever les yeux quand on dit Sami Allah liman hamida. C'est pour ça que quand on fait la prière, depuis qu'on dit Allahu Akbar, et on commence à voir seulement où on va faire le sujoud. Tu lis le Coran en train de voir et tu es en train de voir l'endroit où tu vas faire la prosternation. Ensuite, tu dis Allahu Akbar, tu t'inclines et tu es toujours en train de regarder à l'avant pour que ton dos soit vraiment plat. Car si tu regardes juste devant tes pieds, ton dos va être courbé. Il faut que ton dos soit vraiment plat. Donc tu regardes toujours à l'avant. Tu dis Sami Allah liman hamidah et tes yeux sont toujours vers le bas, fixés vers l'endroit où tu fais le sujoud, toujours fixés là-bas. Et la même chose jusqu'à ce que tu fasses le tashahhud. Quand tu fais le tashahhud, tu regardes ton doigt, tu ne regardes pas où tu fais le soudou, tu regardes ton doigt
qui est pointu vers la qibla, le, comment il s'appelle, le pouce, l'index, l'index pointé vers la qibla, et tu es en train de regarder ton index qui bouge de haut en bas très doucement. Yani, on dit très, c'est pas très doucement, pardon. C'est-à-dire, à peine il bouge, à peine. Je le bouge, yani, vite, vite, mais quand il monte, quand il descend, yani, il monte pas beaucoup, il descend beaucoup. Juste comme ça, yani, je le vois, yani, un peu en train de bouger. Je fais comme ça avec ma main, yani, il bouge juste un peu de haut en bas, juste un peu. Si on est de loin, on peut même pas remarquer que je suis en train de bouger mon doigt. C'est le seul moment où on peut regarder, où on peut pas regarder, yani, l'endroit du soujoud, on regarde son doigt. Donc, il est interdit, quand on dit Sami Allah ibn Hamidah, de regarder vers le ciel. Mais on doit regarder toujours vers l'endroit où on fait le soujoud. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih 1341, il a dit, أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, n'avez-vous pas peur, ou n'as-tu pas peur, ou bien y a aucun de vous n'a peur, que lorsque tu lèves ta tête, lorsque tu fais la prière avec l'imam, maintenant on s'est tous prosternés, et des fois tu lèves la tête avant lui, avant qu'il dise la Akbar, tu lèves la tête. Il y en a qui font cela, avant qu'il dise la Akbar, il lève la tête, ou bien quand il est incliné avant de dire la Akbar, déjà il veut se mettre debout. Le prophète alayhi salam sallam, il a dit, n'as-tu pas peur si tu fais cela, que Allah azza wa jal rende ta tête celle d'un âne. Naam, rende ta tête celle d'un âne. Nous on voit pas ces choses là bien sûr, mais si nous était permis de voir, tu verrais que à chaque fois que quelqu'un lève la tête avant les autres, Allah azza wa jal lui transforme sa tête comme celle d'un âne, ou l'ayyadu billah. Et j'ai lu dans un livre où il était dit, il y a un livre de parler de salaf, comment ils vivaient, ils ont dit qu'il y avait quelqu'un, un grand, yani, très connu dans une petite village, dans un village, qui leur faisait des doros, ils ont dit pendant 30 ou 40 ans. Mais toujours, entre lui et eux, il y avait un voile. Toujours. On ne voyait jamais, ils faisaient toujours derrière le voile. Ils ont dit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé un jour le voile est tombé, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ils ont vu qu'il avait la tête d'un âne. Ils ont dit, on a vu, subhanallah, mais il avait la tête d'un âne. Quand on lui a demandé pourquoi, ils ont dit parce qu'il a dit que je levais beaucoup ma tête avant, c'est-à-dire avant d'être alim, etc., je levais beaucoup ma tête avant l'imam. Donc il est interdit aussi de lever la tête avant l'imam, et il faut l'attendre jusqu'à ce qu'il termine. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, أما الرجل فليمثل رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر. L'homme, il parle de l'homme, il a dit quand il a la janaba, quand il se lave, il doit bien mouiller ses cheveux jusqu'à ce que ça arrive, yani, l'eau arrive, yani, yani, où poussent les cheveux. Hein, il ne met pas l'eau seulement sur les cheveux, mais yani, d'où poussent les cheveux, yani, au sol le char. Wa amma al-mar'a, quant à la femme, fala 'alayha alla tunqidha. Quant à la femme, si elle a les tresses, ce n'est pas la peine de les dénouer. Ce n'est pas la peine de les dénouer dans la janaba. Elle dénoue ses tresses seulement, comme je l'ai dit, quand elle fait le rousl, c'est monstrueux. Dans les tresses, c'est pas la peine. Dans la janaba. Il a dit, les tergif ala la siya, c'est l'être à la tête, c'est fiha. Qu'elle jette trois fois sur sa tête, qu'elle met par exemple les deux mains comme ça, elle les remplit d'eau, elle jette sur sa tête. Elle jette une deuxième fois, elle jette une troisième fois sur sa tête, ça suffit pour sa tête. Maintenant, elle descend à son corps. Elle a dit, yani, quand vraiment, yani, il n'y a pas d'eau. Maintenant, yani, on peut ouvrir avec la douche, avec, yani, c'est des milliers de litres qui s'en vont seulement pour la tête. Des milliers de litres, des centaines de litres qui vont seulement pour la tête. Comment ça s'appelle surra? Comment ça s'appelle surra en arabe? Tu peux me dire comment ça, pardon, en français, comment on dit surra? Vous connaissez le surra ombilical ou la osmoada? Le nombril, barakallahu fik, le nombril. Le nombril sans eux, Ibrahim sans eux. Le nombril là-bas, ça s'appelle surra en arabe. Je parlais avec quelqu'un, on parlait du rosle qu'il fallait faire seulement, il fallait un peu d'eau, etc. Il m'a dit, moi, wallah, seulement pour la surah, le nombril, il me faut un récipient. Il me faut une casserole ou là, seulement pour le nombril. La hawla wa la quwwata illa billah l'ali l'adim. La hawla wa la quwwata illa billah l'ali l'adim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le rosle,
de la Djanaba avec moins d'un litre. Avec moins d'un litre. Imaginez, je vous donne une bouteille qui a un litre moins quart. Disons un litre. Un litre d'eau. Et je te dis, va laver de la Djanaba. Qu'est-ce qu'il peut le faire? Celui-là, il disait que il y a un litre seulement pour le nombril. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-ali. Je crois que j'ajoute un hadith et je vais arrêter parce que c'est l'heure, inshallah ta'ala. Moi, je préfère arrêter ici, inshallah ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre, inshallah ta'ala, dans 5 minutes pour les questions-réponses. Wa akhir da'wan, alhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can you talk? Cher, à propos du Raklallahu Fik, est-ce que vous voulez le mettre en application aujourd'hui? Parce que la sœur vous a dit pour le nouveau règlement. Est-ce que vous voulez le mettre en application aujourd'hui par rapport aux questions et tout ça? Et je leur lis le règlement, Inch'Allah, par rapport aux questions. Les frères et sœurs, barakallahu fikoum, écoutez-moi bien, Inch'Allah. Les questions, ce sera le lundi et samedi. Les questions doivent être posées et doivent porter que sur le cours, Inch'Allah. Les questions seront le lundi et samedi, doivent être posées que sur le cours. Et le mercredi. Et le mercredi il sera ouvert un soir aux questions hors sujet traitées pendant les cours, mais uniquement ils seront adressés par mail, Inch'Allah. Je vous donnerai l'adresse email parce que ce sera une autre adresse email, Inch'Allah, hein. Le cheikh il aura sa boîte personnelle et il aura une boîte d'email concernant les questions, comme ça on ne le dérangera pas dans sa boîte personnelle. Comment vous allez poser vos questions sur le sujet de cours? Le participant, il lève la main et attend son tour, bien entendu. Et il sera débloqué, Inch'Allah. Il sera débloqué. Il posera sa question uniquement sur le cours. Et une seule question par personne. Je répète bien, il posera uniquement sa question sur le cours. Et une seule personne pose la question, Inch'Allah. Et si la réponse le satisfait, qu'il le dise. Si la réponse le satisfait à la sœur ou le frère qui pose la question, qu'il le dise. S'il n'a pas bien compris, qu'il la reformule. Qu'il reformule sa demande, Inch'Allah. Et les questions hors sujet, elles sont traitées uniquement par mail à l'adresse que je vais vous donner, Inch'Allah, qui sera une nouvelle adresse. Et c'est le cheikh qui décide celle auquel il répondra en public, et cela pour éviter les excès de langage de certains. Hein, c'est le cheikh qui va décider auquel il répondra en public, et cela pour éviter les excès de langage de certains. Et les questions à caractère personnel, voire trop intimes, seront traitées en privé, Inch'Allah. Les questions à caractère personnel, voire trop intimes, elles seront traitées en privé. Et les horaires de la room débutera à telle heure et terminera à telle heure, Inch'Allah. Cela, ils vont être rajoutés dans le site de cheikh, Inch'Allah. Je vous conseille d'aller visiter le site du Cheikh, Inch'Allah. Vous allez voir les horaires. Bismillah. Et barakallahu fikoum pour votre compréhension. Et il faut préserver les gens de science et le Cheikh, hafidhahullah. Et n'oubliez pas que le décalage horaire, il est de 2 heures. Et donc ici, il est 20 heures et là-bas, il est 22 heures. Barakallahu fikoum. Salam alaikum. فيه صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه صوت. فيه صوت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جي كيلكو غومارك. أولا نعم. دومان إن شاء الله تعالى دومان سي جودي نورمالمون أنا با درس. دومان سي جودي. مي إن شاء الله تعالى دومان أبخي لو كور دي روبير دو لا سنة.
le repas de Sunna, il termine vers 23h. 23h ici, ça veut dire 11h du soir, 9h du soir chez vous. Et ici, 23h. Quand il termine, Inch'Allah Ta'ala, on va donner une heure, juste pour quoi? Juste pour les questions-réponses. Pas de dars. Demain, Inch'Allah, après les repères de la Sunna, juste pour vos questions. Je sais que vous avez beaucoup de questions auxquelles je ne vais pas répondre aujourd'hui, etc. Vous les poserez, Inch'Allah Ta'ala, demain, directement. Je vous donne l'occasion de les donner directement après les repères de la Sunna, demain, Inch'Allah Ta'ala. Autre chose. Où est-ce que Windows, la barre, sur la barre en bas, j'avais un bouton comme ça. Maintenant, j'ai perdu ce bouton. J'en ai beaucoup besoin. Je savais comment le faire venir. Maintenant, je ne sais plus tellement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette chose. Ce bouton, qu'est-ce qu'il permet? Ce bouton, quand tu cliques sur lui, tu cliques sur ce bouton, toutes les fenêtres se réduisent. C'est pas, elles se ferment. Elles se réduisent et elles descendent en bas. Seulement, tu cliques sur ce bouton, toutes les fenêtres descendent et elles se réduisent et elles restent en bas comme ça. Aide le bouton à deux, quelqu'un sait comment, il me montre comment pour l'avoir. Barakallahu fi. J'ai oublié moi comment compter pour avoir ce bouton. Voilà, autre chose, demain, Inch'Allah Ta'ala, si j'ai du temps, je parlerai concernant le projet du mariage. Le projet du mariage, beaucoup de sœurs et beaucoup de frères, Inch'Allah Ta'ala, voudraient se marier. Et ce n'est pas facile, surtout de nos temps. Alors, Inch'Allah Ta'ala, j'ai pensé et je pense toujours comment aller choisir, Inch'Allah, trois frères et trois sœurs. Ensuite, on va collecter les maloumettes. On va collecter les maloumettes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, les sœurs donneront leurs conditions et les frères écriront un PV. Un PV, je suis une étudiante. Je suis divorcé ou la veuve ou le célibataire, mon niveau c'est ceci, j'aimerais celle-là et celle-là. Et la femme c'est le contraire, mon niveau c'est ceci, mes conditions, etc. J'aimerais ceci, cela, ces conditions. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, moi quand je vois que cette personne et cette personne, il y a des affinités, des ressemblances, je demande à la soeur de me donner le numéro de son mahram. Le numéro de son mahram, après que je lui parle, moi je lui dis voilà, quelqu'un qui a les conditions X, est-ce que tu acceptes? Je lui parle à lui, quand il dit naam, j'accepte ces conditions, je demanderai à la sœur de me donner le numéro de son mahram. Ensuite il dira Inch'Allah Ta'ala, comme j'ai déjà envoyé quelqu'un voir une orte à Paris. Autre chose, ne pas oublier, naam, ne pas écrire une question, naam, je demande oui quoi Qui sont dans l'admin et ceux qui n'ont pas les points rouges, de ne poser qu'une seule question sur m'afficher. M'afficher qu'une seule question. M'afficher pas deux questions à la fois ou la trois. M'afficher seulement une seule question. Il y a une soeur qui m'a demandé, elle m'a écrit, son problème c'est que elle va à la mosquée pour apprendre le Coran chez une soeur. C'est comme ça. Était auparavant le tafrin. Attendez une seconde, le chauffeur, on m'a donné comment faire le bouton à droite. C'est la marque pour le bouton, c'est celui d'en haut à droite, le premier, le petit trait. Souleyman, peut-être que tu m'as pas compris, hein? Chauffe, c'est pas je cherche comment les faire descendre. Là, c'est pas cela. On appuie sur le moins à droite, la fenêtre descend. Regarde, sur la barre en bas, de Windows en bas, c'est écrit Start, démarrer. Ensuite, il y a la barre. Sur la barre, j'ai ici par exemple anglais, arabe, etc. Sur la barre, il y avait un bouton spécial. Quand je cliquais sur lui, toutes les fenêtres descendaient. Toutes les fenêtres se réduisaient. C'est un bouton qu'on peut avoir et qu'on peut enlever. Moi, je l'ai enlevé sans le vouloir. Maintenant, je ne sais plus comment le rendre. Voilà, il y a un bouton qu'on met ici dans la barre. C'est nous qui commandons. Quand on le met dans la barre, on peut réduire toutes les fenêtres en cliquant sur lui. Il y a une sœur, elle va dans une mosquée pour apprendre le Coran chez une sœur. Elle apprend le Coran chez une sœur. Et c'était tafou, ils ont fait un accord que la sœur avait ne fait quoi ? Ne fait que, attendez, je vois, ne leur fait que le Coran.
Et voilà que maintenant que cette sœur qui leur apprend le Coran, elle voit qu'elle a du monde, etc. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle profite pour en même temps leur apprendre l'aqida. Et il y a l'aïd pour laisser l'aqida. Mais cette porte, malheureusement, elle a l'aqida penche vers les ikhwan, aqida ikhwan. Alors elle va rien t'apprendre, si elle t'apprend, elle t'apprend des choses fausses. C'est pour ça il y a cette sœur qui me demande, elle me dit, est-ce que maintenant j'ai le droit d'aller assister ou de ne pas y aller? Elle a dit, alhamdoulilah, moi quand elle parle, je n'écoute pas, et je sais qu'elle dit des choses graves, etc., mais je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je dois faire? Je dirai, bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala shraf mursalin. Naam, la première des choses que tu essayes de faire, c'est un avis, c'est tout. Tu essayes, parce que les gens ne sont pas tous les mêmes. Il y a des gens, quand tu lui donnes un conseil, ils n'acceptent pas. Il y a des gens qui acceptent. Soit tu essaies gentiment avec de lui parler, de lui dire par exemple, voilà ce que tu as dit hier, barakallahu fik, etc. Mais le plus juste, c'est yani, Cheikh Ibrahim a dit ceci, a dit cela, etc. Et tu vois, yani, tu tapes le terrain. Si c'est du genre qui accepte, qui va te dire barakallahu fik, masha'Allah, wallah, fidina, yani, aide-nous, etc., elle dit masha'Allah. Donc, yani, c'est akhir. Tu assistes et à chaque fois tu lui montres. Mais si c'est le genre qui se vexe, le genre orgueilleux, le genre qui se dit c'est moi le plus grand savant du monde, celle-là, il est interdit d'aller assister avec elle. Il est interdit, même comme tu as dit, même si c'est pour traduire des mots. Car quand tu traduis les mots, quand même tu assistes. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَلَا تَعَوَنُوا الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Celle-là, elle est en train de faire le ism, elle est en train de propager quelque chose de faux, des choses fausses dans la aqida, surtout la aqida. Alors celle-là, tu essayes de voir si tu peux lui donner la nasiha, tu sais qu'elle n'accepte pas, c'est pas la fin d'assister, ça devient même haram d'assister. Pourquoi? Parce que tu écoutes des choses fausses et tu ne peux pas parler. Alors il vaut mieux être loin des choses fausses. Je reste chez moi et j'entends pas, plutôt que d'entendre et de ne pas et de ne rien pouvoir faire. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Il y a une sœur qui m'a dit que quelqu'un a dit à cette sœur, il lui a dit, je vais dire un secret, mais jure par Allah de ne pas dire ce secret. Cette sœur a dit, moi j'ai juré par Allah de ne pas dire ce secret. Elle a dit ensuite, elle-même, yani, la sœur elle-même qui m'a dit de ne pas dire le secret, elle m'a dit, tu peux le dire. Yani, tu peux le dire maintenant, il n'y a pas de problème. Maintenant, cette sœur demande, est-ce que moi qui ai juré, est-ce que donc je vais yani, faire yani, siyam 3 jours ou la nourrir le masakin ou la yani, nourrir 10 pauvres, etc. La réponse, non, puisque toi, quand tu as juré par Allah de ne pas dire, parce qu'elle t'a dit qu'il ne faut pas dire ce secret. Maintenant, quand elle t'a dit tu peux le dire, ça veut dire que si tu le dis, tu n'as pas la kafara. Pourquoi? Tu as juré à cause d'une chose et cette chose n'existe plus. Cette chose, c'était quoi? C'était l'interdiction de la personne. Maintenant, la personne l'a permis. C'est à peu près, c'est comme quand je dis, je jure par Allah que je ne vais pas, par exemple, j'habite à Paris, je dis, je jure par Allah que je ne vais pas aller à Marseille. Pourquoi je ne vais pas aller à Marseille? Je dis, par exemple, parce que, par exemple, là, je donne un exemple, je dis, par exemple, parce que telle personne yani, n'est pas bien. J'ai peur de telle personne. Ensuite, cette personne meurt. On va à Marseille ou là on va. Pourquoi? Moi, j'ai juré. Yani, j'avais peur de cette personne. Maintenant, cette personne n'est plus, elle est morte. Donc, je peux y aller. Parce que la chose, l'illa zalat. Ou le chokm yadur ma'al'illa wududan wa adaman. Comme salam, rahmatullah. Cliquez avec le bouton droit sur démarrer. Bon, j'ai cliqué sur démarrer. Combat. Propriété. Onglet barre des tâches, cocher afficher la zone de lancement rapide. Bon, on va voir. On a démarré propriété barre des tâches. Propriété barre des tâches. Je n'ai pas propriété, j'ai tout en anglais. Moi, quand je clique sur démarrer, j'ai tout en anglais. J'ai pas propriété. J'ai tout en anglais. Cliquez avec le bouton droit sur le bouton démarrer. Bouton droit. Propriété. Explore, search, open, properties. Par propriété. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? Onglet barre des tâches.
barre d'étage, ça. Ensuite, afficher la zone de lancement rapide. J'ai en anglais, j'ai pas affiché la zone rapide, j'ai pas, j'ai en anglais. Groupe similar, look, the tax bar, auto, hide. Je ne sais pas quoi, fast ou speed. Non, j'ai pas fast ou speed. Non, j'ai pas. Allez, ça ne fait rien, pour ne pas perdre de temps. Allez, Inch'Allah, on reviendra après. J'ai pas dit ce que tu as dit. Inch'Allah ta'ala, akhouna, tafadhal, la première question, Inch'Allah ta'ala, je l'attends. La première question, bi'idhnillah azza wa jalla, je l'attends, tafadhal. Un frère pose, le père d'une soeur est en prison, il se mariait avec elle. Non, ça marche pas, il manque quelque chose, il manque quelque chose dans cette phrase. Le père d'une soeur est en prison et se mariait avec elle. J'ai pas compris. La soeur et le frère, nous ne peuvent pas. Le père d'une soeur est en prison et il veut se marier avec elle. C'est-à-dire un frère veut se marier avec elle. La soeur et le frère ne peuvent pas aller en prison le voir. Comment faire pour le voir, sachant que c'est impossible, et avoir son accord? Il veut se marier. Naam, ça c'est très facile. Très facile. C'est quoi? Aide à celui qui est en prison. Il a des gens qui vont le voir. La boud, la prison, il permet d'aller le voir. C'est pas qu'il va le voir son fils, ou là je ne sais pas qui, une fois par semaine, ou une fois par mois. C'est comme ça dans tout le monde. Hada, celui qui va partir, il lui dit, demande-lui, il y a ni son avis. Dis-lui de ma part, voilà, il y a X, même si c'est sa femme. Sa femme ou n'importe qui, le mohim, c'est d'avoir son avis. Naam, c'est d'avoir son avis, est-ce qu'il est d'accord? D'avoir son avis, est-ce qu'il est d'accord? C'est très facile, Inch'Allah ta'ala. L'essentiel, c'est d'avoir son avis, soit par téléphone, soit en envoyant une personne, soit en envoyant, il y a ni sa femme, si elle est séra. Si sa femme est séra, il y a ni c'est pas une menteuse. Lui il dit oui, elle dit, et elle va dire non. Il faut qu'elle soit séra. L'autre sous-elle, Inch'Allah ta'ala. Une sœur a dit combien de fois qu'il faut laver les pieds à la fin du rousse? Une fois ou trois fois? Naam. Si tu fais trois fois, il y a un hadith sahih où il est dit qu'on fait trois fois. Si tu fais plus, c'est-à-dire sans compter, il y a un hadith sahih, comme Bukhari, le hadith de Uthman, radiallahu ta'ala anhu, où il leur a montré comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait, et il faisait sans compter. Donc tu es libre. Tu fais trois fois. Tu as fait la sunnah. Tu veux faire plus, yani sans compter, c'est aussi valable. Les deux sont valables, inshallah ta'ala. Tfadhal, le prochain, inshallah, su'ad. Un frère pose, le hajj est-il augmenté de 70 fois si Arafat tombe le vendredi? Le rousse du Jumu'ah est-il obligatoire? Le hajj est-il augmenté 70 fois s'il tombe le vendredi? Il n'y a aucun hadith qui dit que le hajj devient 70 fois s'il tombe le vendredi. Il n'y a pas un hadith sahih en ce sens. Le rousse du Jumu'ah frise l'obligatoire. Ça veut dire, ou bien on dit est obligatoire pour l'homme, ou bien on dit il le frise, il n'est pas très loin de l'obligatoire. C'est-à-dire que quiconque peut le faire, ne le laisse pas. Quiconque a de l'eau à la maison, il n'est pas malade, il n'a pas froid, il n'a pas le rhume, il n'a pas la grippe, il n'est pas ceci, il fait le rousse avant de sortir pour aller au Jumu'ah. Car s'il n'est pas obligatoire, comme disent beaucoup de ulama, alors il n'est pas loin, il n'est pas très loin, il le frise. والله سبحانه وتعالى أعلم. La prochaine question, inshallah. Une sœur dit, pourriez-vous répéter les hadiths des deux invocations qui font les anges chaque jour lors du lever du soleil? نعم. ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يناديان. Il n'y a pas un jour où le soleil se lève sans que deux anges disent. L'un des deux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Allahumma, oh Allah, a'ti munfiqan khalafa.
Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ô Allah, donne à celui qui fait le monde yunfiq khalafan. Ça veut dire, yani, rattrape-lui, khlif-lo, donne-lui, yani, ce qu'il a donné, rends-lui, khalafan. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Allahumma a'ti, ô Allah, donne, a'ti mumsikan, à celui qui veut pas donner, qui a va telafan. Telafan, yani, c'est lui perdre son argent. أتلف له ماله يقولوا أتلف أتلف الله له ماله يعني il lui a fait perdre son argent. Voilà le hadith. تفضل la prochaine question إن شاء الله. Chofa, vous avez posé trois questions. Naam. Une sœur dit, Chof, à chaque fois que un frère pose une question, Ibrahim ou l'Abu Ilyas, il attend, Inch'Allah Ta'ala, il attend que Oum Abdullah ou l'un autre pose une question. Parce que, pour ne pas oublier les sœurs. Oum Suleiman a écrit zéro. Est-ce que vous m'entendez les autres? Les autres, est-ce que vous m'entendez ou là, c'est comme elle a dit? Un. D'accord. Alors c'est Oum Suleiman qui a le problème. Je disais, un frère pose, si une personne ne prie pas, et si elle obéit à sa mère, et sa mère l'aime, ira-t-elle cette personne au paradis? Si une personne ne prie pas, et elle obéit à sa mère, et sa mère l'aime, ira-t-elle au paradis? Cette personne, Allah Azza wa Jalla lui dira, pourquoi tu as aimé ta mère plus que moi? Moi, je t'avais demandé de m'obéir, de faire la prière, tu ne l'as pas faite. Maintenant, tu as obéi à ta mère plus que moi. Donc, c'est un délil que quand tu que ton obéissance à ta mère, ce n'est pas une adoration. Car si tu voulais mon ravissement et tu m'aimais, tu aurais fait la prière qui est plus grave, plus demandée que l'obéissance à la mère. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man taraka salat faqad kafar l'ahd alladhi baynana wa baynahum salat » من تركها فقد كفر. Donc quelqu'un qui n'a pas fait la prière, ça lui sert à rien d'avoir oublié à sa mère. Je dis pas ça lui sert à rien, mais si on prend du deuxième avis de Cheikh Al-Albani qui dit il n'est pas kafir, ça veut dire que après qu'il soit châtié et supplicié à cause de la salat qu'il n'a pas faite, il va trouver des hasanats d'avoir obéi à sa mère. Mais le plus yani demandé, c'est de commencer par obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de faire la prière. Car quiconque ne fait pas la prière, même si on dit il n'est pas kafir, même si on dit comme Abi al-Albani il n'est pas kafir, ça mais n'empêche que quand il va mourir, yani, il va trouver d'immenses problèmes. Naam. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il va être yani, le plus malheureux. C'est-à-dire s'il n'est pas kafir, hein, parce qu'il a fait yani, un zamb, un péché yani, très 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 grand. Et remarquez que quiconque ne fait pas la prière, parce que c'est toujours il a des tentations qu'il veut assouvir. Comme a dit Allah Azza wa Jal, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةُ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Après les sahaba etc, il y a eu une autre nation ou là un autre groupe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Adar ou salat, ils ont perdu les salat. Pourquoi? Ou teba ou shahawat, et ils ont suivi leur tentation. Quiconque ne fait pas la salat, il a une tentation. Ou bien c'est l'alcool, ou bien à cause de la drogue, ou bien à cause des femmes, ou bien il veut profiter de la vie, ou bien il n'a pas de temps parce qu'il veut de l'argent. Et c'est toujours à cause des tentations. Nous on dit Alhamdulillah alladhi hadana li hada. Alhamdulillah qu'Allah azza wa jal yani est descendu yani sakina fi qulubina, et qu'il nous a fait aimer la salat. Parce que c'est un lien entre nous et lui. Et dans le prochain dars du fiqh, inshallah ta'ala, on termine istihada, la 20e, et on rentre directement dans la salat, inshallah ta'ala. Prochaine question, tafaddal. Il y avait d'autres questions, je ne les ai pas vues. Salam alaikum. Comment on corrige sa prière quand on se relève avant l'imam sans faire exprès? Naam. Quand on est derrière l'imam,
sans faire exprès, on a levé la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Directement, on revient où on était. Dès que je lève ma tête, je vois que l'imam n'a pas relevé sa tête. Qu'est-ce que je fais? Je reviens directement prosterné où j'étais. Ou bien si j'étais incliné, j'ai relevé la tête avant lui, je la redescends très vite. Maintenant, si par exemple, je suis prosterné et j'ai levé ma tête. Ensuite, j'ai vu que l'imam n'a pas levé sa tête, je veux faire descendre ma tête, alors lui il a levé. Là, c'est pas la peine de la faire descendre et de la faire lever. Khlas, tu restes comme ça. Pourquoi? Parce que là, l'imam a levé sa tête. C'est pas la peine de redescendre vers le bas et de la relever. Khlas. Mais si elle est toujours la tête de l'imam, elle est toujours en bas, tu descends vite pour rattraper ce qui s'est passé. Tfadlam, inshallah, prochaine question. Une autre sœur dit, est-ce que le hadith que vous avez cité sur les invocations est une obligation de faire l'aumône? Est-ce que le hadith que vous avez cité sur les invocations est une obligation de faire l'aumône? Vous savez, il y a un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah Azza wa Jalla nous a créé, quand il nous a créé dans notre corps 365 os, les os qu'on a dans le corps, c'est 365 dans le corps. Tu comptes par exemple les os des doigts, l'os du nez, dans la tête, les yeux, les pieds. Quand tu comptes en tout, tu dois trouver 365 ou bien 366, à peu près c'est comme ça. Maintenant j'ai un peu oublié, mais 360 et quelque chose. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque os que tu as, tu dois faire une aumône pour lui chaque jour. Ça veut dire chaque jour, on doit faire une aumône pour chaque os. Donc, chaque jour, on est obligé de faire 365 aumônes pour chaque os. Et ensuite, bien sûr, le prophète alayhi salatu wasalam sait que ce n'est pas tous qui avons assez d'argent pour faire 365 aumônes par jour. Il a dit, wa salatu duha tourni andalik, wa rak'ata duha tourni andalik. Ensuite, il a dit, et quiconque fait deux rak'at de salat duha, quand le soleil se lève, tu fais deux rak'at à cause de la duha, il a dit, ça remplace les 365 aumônes. Et avant cela, il a montré que les 365 aumônes, ce n'est pas seulement de l'argent. Il a dit, subhanallah, sadaqa, quand tu dis Allahu Akbar, sadaqa, alhamdulillah, sadaqa. Donc, tu ne peux pas dire yawm al-qiyamah, moi c'était difficile pour moi. Non, ce n'est pas difficile de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Voilà, maintenant j'ai fait 7 sadaqa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Akbar, j'en ai fait 4. Donc 365, ça ne prend pas plus de 10 minutes. Ou bien je fais 2 rak'at de quoi? De salat al-duha. Je fais 2 rak'at pour salat al-duha. Ce hadith qui dit que l'ange dit comme ça, c'est pour te montrer que quoi? Que si tu veux que Allah Azza wa Jalla libère, c'est malik, et si tu veux que Allah Azza wa Jalla t'en rajoute toujours davantage, si tu peux, chaque jour, donne un peu. Quand je dis donne un peu, tu peux donner, je sais pas s'il y a un demi-euro là-bas, je sais pas s'il y a la moitié de l'euro. Tu peux donner un demi, tu peux donner n'importe, tu peux donner un pain, tu peux donner quelque chose qu'on peut acheter avec de l'argent. Quelque chose, pardon, que tu as acheté par exemple avec de l'argent. Ou bien de l'argent, ou bien quelque chose que tu as acheté. Car quand tu donnes à quelqu'un, tu lui donnes par exemple une table. La table, c'est de l'argent parce que tu as acheté avec de l'argent. Donc, c'est pour pousser les gens et les exhorter à ce qu'ils sortent et qu'ils n'aient pas peur de le faqr, pour ne pas avoir peur de le faqr et de la pauvreté. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Fouche inshallah. Un frère dit, salamu alaykoum, salamu alaykoum. En fait, il y a un frère en France qui donne des cours sur le livre Boulour al-Maram. Le frère n'a pas étudié, il fait la traduction des cours sur les chers l'Othémine sur Boulour al-Maram. Sachant où j'habite, il n'y a aucun cours, il n'y a aucune da'wa. Plus j'assiste à ces cours, barakallahu fik. Naam, astaghfirullah tu voulais. Ce R, moi je ne connais pas, quelle est sa puissance, sa qudra. Sa puissance, et ses capacités. Il y a quelqu'un qui n'a pas étudié, mais qui a comme ça, des bases, à force d'écouter beaucoup les cassettes, à force d'écouter beaucoup de doros, à force d'étudier beaucoup de livres lui-même.
sans avoir connu des chouyoukhs, sans avoir été à la faculté. Il y a des gens qui ont ce don. Maintenant, s'il est du genre qui sait ce qu'il dit, des gens du genre qui a des bases, du genre qui ne sort pas ni à droite ni à gauche, il dit seulement ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, etc. Wallahu alam, on peut. Et même comme ça, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que des fois, il ne comprend même pas ce que, par exemple, Cheikh a voulu dire. Ou bien, il ne sait pas que Cheikh a dit autre chose dans un autre livre. Ou bien, lui, il croit que voilà ce qu'il a voulu dire, le Cheikh. Ou bien, quand on lui pose une question, il dit, bon, est-ce que donc ceci, cela, donc ceci, cela, il ne peut pas te répondre. Il peut te parler seulement de ce qu'il y a dans le livre. C'est pour ça que toi, tu vois. Tu sens qu'il est animatmukken, tu sens qu'il est mitmukken. C'est pas yani les cours, hein. C'est pas pour apprendre, on doit obliger, on est obligé de passer par la fac. Je peux apprendre chez un cheikh seulement, sans aller à la fac. Et être plus fort que quelqu'un qui va à la fac. Quelqu'un qui a étudié chez Cheikh Ibn Uthaymin, Ahmadullah, il est plus fort que quelqu'un qui a étudié à la fac, je ne sais pas où. À la fac du Soudan, là, je ne sais pas où. Mais, il faut voir si, comme j'ai dit, s'il a des bases. Car s'il n'a pas des bases, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit quelqu'un qui a du ilm, qui le teste. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a du ilm, qui le teste. Mais je ne peux pas te donner une réponse comme ça, je te dis oui ou je te dis non. C'est un peu difficile. Il faut que je le connaisse personnellement. Tfadal, ah. Une sœur dit, lors des ablutions, est-ce que la femme doit mouiller toute la longueur de ses cheveux pour celles qui ont de longs cheveux? Lors des ablutions, lors des grandes ablutions, Janaba, elle doit les mouiller. Lors des petites ablutions, lorsqu'elle arrive aux cheveux, ce n'est pas la peine de descendre avec ses mains jusqu'à où se terminent ses cheveux. Des fois, une femme, certaines femmes, ont des cheveux qui descendent, par exemple, jusqu'au bas du dos. Celle-là, quand elle fait les ablutions, elle met ses mains sur le front et elle commence à monter avec ses mains sur ses cheveux jusqu'à la nuque. Jusqu'à la nuque. Elle touche avec la raqbat, elle touche la nuque où elle s'arrête. Ou plutôt, elle commence la nuque. Où elle commence, yani, du côté haut. Du côté haut. Là, elle arrête ses mains. C'est pas la peine de descendre avec ses cheveux, avec ses mains jusqu'à ses cheveux en bas. De toute façon, maintenant, mal à sif, les femmes, la plupart des femmes enlèvent leurs cheveux. Maintenant, c'est rare de trouver une femme, d'épouser une femme qui a de longs cheveux, comme étaient les musulmanes, comme étaient les arabes, etc. Maintenant, c'est l'habitude des kuffars. La plupart des femmes, c'est l'habitude des kuffars, elles veulent les cheveux courts, et certaines font même ce qu'on appelle la coupe à la garçonne. Et quiconque fait la coupe à la garçonne, elle devient maudite, comme vous le savez. Pourquoi? Elle s'est fait ressembler à un homme et à un garçon. D'ailleurs, on dit coupe à la garçon. Ça veut dire, tu ressembles à un garçon. Maintenant, c'est très rare d'épouser une femme qui a les cheveux, yani, qui descendent jusqu'au dos, comme sont été les femmes des plus prédécesseurs, et comme sont les femmes du paradis. Tfadal, prochain, inshallah, su'ad. Un frère pose, quel est le choc du financement du hajj? Exemple, le voyage coûte 2 500 € sans les dépenses sur place. Et j'ai 3 500 €. Est-ce que pour moi, c'est obligatoire de payer le hajj à son épouse? Je n'ai pas compris. Quel est le choc du financement du hajj? Exemple, le voyage coûte 2 500 € sans les dépenses sur place. Et j'ai 3 500 €. Donc 3 500 €, il y a une seule personne qui peut partir. Puisque le hajj, c'est 2 500 €. Est-ce que pour moi? Pour toi, c'est fard. Non. Le hajj coûte 2 500 €. Et tu as 3 500 €. Si tu sais que yani, s'il y a en plus te suffit là-bas, tu dois partir. Est-ce obligatoire de payer le hajj à son épouse? Je n'ai pas compris. Il a seulement yani, 3 500 €. Il ne peut pas lui payer. Le voyage coûte 2 500 €. Comment il est obligé de lui payer? Il peut payer à une seule personne avec cette somme. Maintenant, sauf s'il veut dire en général. Yani, la question n'est pas liée. En général, est-ce qu'on est obligé de payer le hajj à son épouse? Je crois qu'il veut dire ça, il veut dire ça en général. Est-ce que c'est ça la question? Si c'est oui, il la repose, inshallah ta'ala. Autre question, inshallah. Oui, c'est ça, naam, n'est pas obligatoire.
n'est pas obligatoire de payer le hajj à son épouse. N'est pas obligatoire de payer le hajj à son épouse. S'il le fait, c'est il le fait par ihsan. Il le fait par ihsan. Yani il veut être un muhsin. Il veut être un muhsin et il veut lui payer le hajj et il aura de grands grands ajr chez Allah subhanahu azza wa jal. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Au prochain, inshallah. هل من يحج على أبيه الذي لم يحج يكتب لأبيه ولنفسه حجة أم لأبيه فقط وهل يحصل له ثواب الحج le أخ dit est-ce que celui qui fait le حج à la place de son père est-ce que Allah Azza wa Jalla écrira au père et à son fils en même temps bien il écrit seulement au père وهل يحصل له ثواب الحج la réponse personne n'a le droit de faire le hajj à la place de son père ou à la place de sa mère ou à la place d'une autre personne s'il n'a pas fait pour lui-même. Moi je ne peux pas faire le hajj pour mon père si moi-même je n'ai pas fait le hajj. Il faut d'abord que moi, je commence par moi, il faut que j'aille au hajj. Quand je reviens la prochaine fois inshallah ta'ala, je vais aller pour mon père ou là pour ma mère ou là pour une autre personne et cette personne quand je vais à la place d'elle, quand je vais à la place d'elle, il faut qu'elle ait des conditions. Qu'elle, par exemple, qu'elle ne puisse pas y aller. Car quelqu'un qui peut aller au Hajj, personne n'a le droit ou elle ne peut aller à sa place. Il faut qu'elle soit malade, par exemple, ou là, qu'elle soit dans un état grave, etc. Maintenant, si cette personne est morte, elle n'a pas fait le Hajj. Supposons, je dis par exemple, quelqu'un qui a son père qui est mort. Et toi, tu as fait le Hajj. Ton hajj. Est-ce que tu peux aller à la place de ton père qui est mort? J'avais dit, s'il était vivant, tu peux pas, sauf s'il est malade. Maintenant, il est mort. Est-ce que tu peux partir à sa place? Cheikh Al-Albani a dit, on part à sa place dans le cas où on sait qu'il nous a dit de le faire, ou bien on sait, on connaît bien notre père, on sait qu'il avait l'intention de le faire. Mais celui qui n'avait pas l'intention, on ne le fait pas à sa place. Je donne un exemple. Par exemple, moi, mon père, c'est un exemple, c'est pas vrai. Mon père, par exemple, maintenant il est vivant, il n'aime pas le hajj. Mon père vient, on va au hajj. Non, moi, laisse-moi le hajj. Moi, je préfère aller à New York ou là, je préfère passer la Noël au Liban. Je ne parle pas du hajj. Ensuite, il meurt. Celui-là, je ne peux pas faire le hajj à la place de lui. Pourquoi? Quand il était vivant, lui, il ne voulait pas. Comment se fait-il maintenant que j'aille faire le hajj pour lui? Mais quand quelqu'un meurt et on sait qu'il voulait ou là il nous a dit de le faire, celui-là on peut faire le hajj pour lui. Donc maintenant si on fait le hajj pour quelqu'un, il faut la condition, la première, que je l'ai fait pour moi-même, et la deuxième, s'il est mort, il faut qu'il m'ait demandé cela ou bien il faut qu'il ait l'intention. Ensuite, si je le fais maintenant, Allah Azza wa Jalla me donne un hajj. Pourquoi? Parce que je ne suis pas obligé de le faire pour X ou là pour mon père ou là pour Y. Mais puisque je l'ai fait, Allah Azza wa Jalla va me donner un ajr. Naam, tafadhal. Une sœur dit, une sœur est animée, qui perd beaucoup de sang très souvent. Son médecin lui a conseillé de manger souvent dans la viande de cheval. Est-ce que manger souvent et la sœur qui est animée aussi, c'est permis pour avoir un taux de fer dans le sang convenant. Naam, elle la mange tant qu'elle sent que ça lui fait pas mal. C'est-à-dire, elle la mange pas tous les jours. Tous les jours, ça va lui faire mal la viande cheval. Elle la mange, yani, peut-être deux fois par semaine, peut-être, tant qu'elle sent, yani, qu'elle n'a pas mal, elle peut, inshallah ta'ala, en manger jusqu'à ce qu'elle se sente, yani, assez forte. Et tu lui conseilles pas de manger tous les jours, parce que j'ai peur, un jour, au lieu de parler, elle va hennir. Au lieu de parler, elle va faire comme le cheval. Alors là, ça veut dire que c'est trop tard. Donc c'est pour ça qu'elle ne doit pas en manger tous les jours. Tafadhal, autre soual, inshallah. Avez-vous un remède pour le mal du dos?
un frère se blesse toujours le dos, il est cervical, reste du mauvais œil, sachant qu'il est beau, fort, masha'Allah alayh. Inch'Allah, il a l'Iman aussi. Beau et fort, masha'Allah, inch'Allah, il a l'Iman aussi. Et l'Ilm. Je ne connais pas un remède, je connais la hijama. Je connais quelqu'un qui a beaucoup mal au dos, il fait la hijama au dos. Il fait, on appelle la hijama, je ne sais pas comment ça se fait en français, il fait la hijama dans le dos, il essaye, beaucoup on en guérit, beaucoup on guérit. C'est pour ça que je demande à quiconque a une partie du corps saigné, quiconque a une partie du corps qui lui fait mal beaucoup, qui commence par la hijama sur cette partie où il a mal. Il commence d'abord par Tibb al-Nabawi, il commence par la médecine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'il fasse la hijama, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est étonnant, mais quand il est monté chez Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a fait l'ascension, il a dit, les anges que j'ai trouvés dans les cieux me disaient, il faut faire la hijama, et dit à ta nation de faire la hijama. Beaucoup de gens ne font pas la hijama, et bien sûr, et alors ne guérissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils délaissent des médicaments du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fadal inshallah prochain. Une sœur dit, est-ce qu'une femme qui a les menstrues peut faire la hijama? Les menstrues, ça n'a rien à voir avec la hijama. C'est-à-dire que tout en ayant des menstrues, on peut faire la hijama. C'est comme quand on va chez le docteur, chez le médecin, et on a les menstrues. Ça n'a rien à voir les menstrues avec la hijama. Sauf si on a peur, yani de quoi? De devenir faible, parce que quand on fait la hijama, c'est pas aussi tout le monde peut faire la hijama. C'est pas tout le monde. Ceux qui sont faibles, qui ont par exemple le diabète, etc., c'est un peu difficile pour eux. C'est un peu difficile pour eux. C'est pour ça, maintenant, si elle a les menstrues, maintenant, si elle pense au sang déjà qui coule, et elle va faire couler du sang de la hijama, peut-être qu'elle a peur en ce sens. Mais si elle parle du din, ce n'est pas interdit, pendant les menstrues, de faire la hijama. Parce qu'il y a un délit sur le fait de ne pas parler pendant l'accomplissement des ablutions, et que sans parler dans les toilettes. En ce qui concerne les ablutions, il n'y a aucun délit où il est dit qu'on ne peut pas parler. Il n'y a aucun délit qui dit que c'est haram de parler pendant les ablutions. Il n'y a aucun délit. Je ne connais aucun hadith qui dit que quand on fait les ablutions, on ne peut pas parler. Peut-être même si quelqu'un dit on ne peut pas parler, peut-être qu'il rentre dans la bida. Parce qu'il veut quoi? Il veut, il a inventé des choses. Il a inventé une interdiction. Il veut adorer Allah avec une interdiction qu'il a inventée. En ce qui concerne les toilettes, je ne connais pas aussi de hadith qui interdisent, mais je sais que les ulama, etc., ont déconseillé de parler dans cet endroit, parce que, pourquoi ils déconseillent? Vous allez comprendre la raison est simple. Tellement eux, quand ils parlent, dans leur langage, tellement il y a le mot Allah. Ils disent subhanallah, ils disent astaghfirullah, ils disent khair, inshallah, ils disent tout ça. S'ils vont parler dans les toilettes, même pour parler des choses de la vie, du bas monde, ils vont dire le mot Allah. Tellement, ce sont des pieux, etc. C'est pour ça que, quand on parle dans les toilettes, on peut dire sans le vouloir, on dit la wallah, non wallah, etc. On va dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mais il n'est pas interdit quand on sait qu'on est dans le besoin. Quelqu'un qui est dans les toilettes, ou qu'il se rappelle, par exemple, il se rappelle qu'il ouvre par une robinet, il ne trouve pas d'eau. Il appelle quelqu'un, il lui dit ramène-moi de l'eau. Ou bien, par exemple, il dit attention, va fermer le gaz. J'ai oublié, par exemple, Douara. Douara, elle est en train de cuire. J'ai oublié Douara. Va fermer le gaz, etc. Ça n'est pas interdit, parce qu'il n'y a aussi aucun hadith qui est interdit. Prochain soual, tafaddal. Un
frère dit salam alaykoum wa alaykoum salam khatwa. Il y a un hadith qui dit que celui qui dit que quelqu'un était kafir, cela retombe sur lui, s'est trompé. J'ai entendu que cela veut dire que le péché retombe sur lui, mais pas que la personne devient mécréante. J'ai aussi entendu que cela veut dire que le péché retombe sur lui, mais pas que la personne devient mécréante. J'ai aussi entendu une personne de science dire cela, aussi que la personne reste musulmane et que cela est un péché. Cela est-il vrai? Y a-t-il une divergence sur la compréhension de ce hadith? Barakallahu fikum. Naam, la plupart des ulama ont dit ceci. Naam, la plupart des ulama ont dit il ne devient pas kafir, mais il a fait un grand péché. Il ne devient pas kafir, mais il a fait un grand péché. Mais j'ai lu que d'ici la divergence, j'ai lu Ibn Hajr al-Asqalani dans Fath al-Bari, il a rapporté la diversion des ulama et leur diversité. Ensuite il a dit, et il y en a qui ont dit qu'il est devenu kafir. Il y en a qui ont dit il devient kafir, et il a dit je choisis cela et c'est le plus juste. Il a dit je choisis cela et c'est le plus juste. Mais moi personnellement, je préfère marcher avec les autres ulama qui ont dit qu'il ne devient pas kafir, mais il a fait un grand péché. Je ne prends pas de l'avis de Ibn Hajr al-Asqalani alayhi rahmatullah. Autre question, inshallah. Un frère pose, salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Je pars inshallah vers le Hajj avec ma mère. Ma mère a déjà fait son Hajj et cette fois-ci elle veut le faire pour mon frère qui est décédé. Comment doit-elle le faire? Barakallahu fikoum, et faites un doigt pour lui, min fadlik. Naam. Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Faites un doigt pour lui. Naam. Allah Azza wa Jal an yarhamahu wa an yaghfira lahu wa an yaqiyahu ala banarihi wa yudkhilahu jannatahu. Maintenant, faites un doigt pour lui, inshallah c'est pour le mort. Naam. Elle dit comment qu'elle doit faire? Comment qu'elle doit faire? Elle fait le Hajj normalement. Comme elle l'a fait pour elle le fait pour lui. Seulement, quand elle arrive à l'Ihram, elle va faire l'Ihram. Elle va dire Labbayk Allahumma Hajja. Elle va citer si elle veut son nom. Ou bien, elle fait l'intention dans son cœur que c'est pour lui. Car Allah Azza wa Jalla connaît les intentions et connaît ce qu'il y a, ce qu'on dit nous dans le cœur. Il y a le fait qu'elle dise je vais aller pour lui. Déjà, Allah Azza wa Jalla sait qu'elle va le faire pour son fils. Donc, elle le fait. Comme elle l'a fait pour elle, le plus normalement possible. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Une sœur dit, une femme doit verser la zakat sur son or qu'elle a en surplus. Est-il possible de donner à son mari qui a contracté des dettes en sachant qu'il n'arrête pas de s'endetter et de laisser toujours le compte vide à la fin du mois? J'ai pas compris la dernière chose. En sachant qu'il n'arrêtera pas de s'endetter et de laisser toujours le compte vide à la fin du mois. Naam, s'il fait comme ça, de préférence, elle lui donne pas la zakat. Une femme peut donner la zakat à son mari s'il a des dettes. Quand elle la donne à son mari, s'il a des dettes, c'est mieux que la donner à un étranger. Mais, comme a dit la soeur, mais pas, elle lui donne, et lui il va payer ses dettes, ensuite il va s'endetter, ensuite à chaque fois, il fait cela. Non, s'il est dans un problème, elle va lui régler une fois, elle va lui donner, d'accord. Mais s'il va lui prendre une mauvaise habitude, classe, à chaque fois il s'endette, et puis il cherche sa femme qui lui donne, ou les gens qui lui donnent. Si elle veut ne pas lui donner, elle ne lui donne pas dans le sens de pour que pour qu'il sache que il faut compter sur lui-même pour qu'il ne s'endette pas. Mais en général, il est permis à la femme qu'elle donne la zakat à son mari quand il a des dettes ou quand il est pauvre, etc. Prochain soual, inshallah. هل من المفروض في الحج لما يكون الحاج لابس الإحرام أن يلبس حذاء غير محرم؟ هل من المفروض
في الحج مما يكون الحاج لابس من الإحرام من يلبس حذاء غير مخيط. Premièrement, aujourd'hui, je vois que les questions sont beaucoup sur le Hajj, alors qu'on n'est pas au Hajj. Premièrement. Deuxièmement, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire Makhit là. Ils croient que chaque chose qui a un fil est interdite. Alors que toute chose qu'on met à un fil, quand on met avec la, ce qu'on appelle la serviette blanche, avec, ou la, comment c'est le faute, avec, on la met sur, l'homme la met sur ses épaules et ensuite il met en bas autre chose blanche. C'est-à-dire qu'elle ne contient pas yani, des fils. C'est pas ça le Makhit. Le Makhit, c'est la chose qui, lorsque tu la mets, elle te couvre. Elle couvre ton corps et elle prend la forme du corps. Comme un tricot de peau, un pantalon, un kamis. Tout ça, ça prend la forme du corps. Tout ça, ça s'appelle Makhit. Ça, c'est interdit. C'est pourquoi il n'est pas interdit, par exemple, d'avoir la montre. Parce que la montre ne prend pas la forme du corps. Il n'est pas interdit d'avoir des lunettes. Parce que les lunettes ne prennent pas la forme du corps. Philippe, beaucoup de gens se trompent et croyaient que le Makhit, yani où il y a un fil, c'est interdit. Alors que c'est pas vrai. C'est-à-dire que le faute al-béréba que tu mets sur ton, tes épaules, elle a plein de fils. Voilà, donc il peut mettre, comme je disais, il peut mettre belra, il peut mettre les mules, ou la, comment ça s'appelle, belra hadik. Il peut mettre, yani, l'essentiel, ça, il ne met pas quelque chose qui passe au-dessus des chevilles. والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل بروشين سؤال. Un frère pose. Salam alaikum. Est-il permis de faire ruqya à une personne qui n'est pas musulmane, mais qui croit en Allah unique et le jour du jugement dernier? Le fait de croire en Allah unique et le jour du jugement dernier ne suffit pas. Si on ne croit pas en la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne croit pas en la prophétie de tous les prophètes, et on ne croit pas au jugement, au supplice de la tombe, on ne croit pas, il y a des milliers de choses. Le fait de dire il n'y a qu'Allah et il y a le jour du jugement dernier, ça ne suffit pas pour devenir musulman. Mais le musulman peut faire ruqya à un kafir. Le dalil, c'est dans Sahih al-Bukhari, lorsque le compagnon Jalil, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, était avec un groupe de sahaba. Il revenait d'un pays vers la Médine, vers Médina. Quand ils sont arrivés à un endroit en plein désert, ils ont vu des koufars qui avaient posé des tentes, yani, comme ça, un peu loin. Ils sont allés devant eux, ils ont posé une tente, un peu loin d'eux. Ensuite, ils n'avaient rien de quoi manger. Abu Sa'id al-Khudri a envoyé quelqu'un de ses compagnons, ils étaient 30, pour demander aux koufars de leur donner quelque chose à manger. Le chef des koufars n'a pas accepté. Il a dit non, je ne leur donne pas à manger. D'accord. 10 minutes après ou là, un quart d'heure, il y a quelqu'un des koufars qui vient, yani en courant, vers la tente des compagnons radiallahu ta'ala anhum. Il leur dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui fait la ruqya? Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu a dit, na'am, je fais la ruqya, mais Allah, je ne vous fais pas la ruqya. Moi, je fais la ruqya, mais je ne vous la fais pas. Parce que, yani, vous a demandé à manger, vous n'avez pas accepté. Mais, il voulait que je vous la fasse, il faut que vous nous donniez 30 moutons, car ils étaient 30. Il faut que vous nous donniez 30 moutons. Le bon homme est allé demander au chef, il lui a dit voilà, etc. Parce que le chef a été mordu par, pardon, il a été piqué par un aqrab. Comment on appelle aqrab? Il a été piqué par un aqrab, celui qui a la queue comme ça, qui la queue qui revient comme ça, comment il s'appelle, le scorpion. Il a été piqué par un scorpion. Souleyman Barclay, il a été piqué par un scorpion. Alors, il a été voir le chef, il lui a dit, yani, il dit, si vous nous donnez 30 moutons pour faire la ruqya.
bien sûr, l'autre a accepté. Et vous savez que le kafir a beaucoup peur de la mort. Le kafir, il peut tout donner seulement pour vivre. Yaudu ahadum law yu'ammaru alf sana, comme a dit l'Azza wa Jal, le kuffar voudrait même s'il pouvait vivre 1000 ans. Alors pour ne pas mourir, il donne non seulement 30 moutons, il peut en donner 300. Al-Muhim. Alors Abu Sa'id Khudri, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez le kafir, il a lu sur lui sourate al-Fatiha, seulement al-Fatiha, 7 fois. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. une fois, deuxième fois. بسم الله الرحمن الرحيم. comme ça, 7 fois. Le rapporteur du hadith qui est dans le Bukhari a dit, il avait terminé de lire, il avait juste donné de terminer Fatiha que l'homme, le kafir, s'était levé, le kafir qui était évanoui, s'est levé comme si jamais il n'a été piqué par un scorpion. Il a commencé à courir comme si jamais il n'a été piqué par un scorpion. Donc, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, qui a demandé 30 moutons, quand même il a eu un peu de peur. Il a dit peut-être ce n'est pas permis, donc je laisse les moutons jusqu'à ce que je rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris ses compagnons et ses 30 moutons, ils sont allés à Médina. Quand ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, voilà ce qui s'est passé. Le prophète alayhi wa sallam a dit, wa ma adrak innaha ruqya. Il a dit, na'am, masha'Allah, c'est une ruqya. Et il leur a demandé de leur donner un peu, qu'on lui donne un peu des moutons. Je crois qu'on lui a donné un mouton. Donc, ceci est une preuve qu'on peut faire la ruqya à un kafir. Et le deuxième intérêt, c'est que quand on fait une ruqya, on peut demander de l'argent à quelqu'un, on lui dit je fais pas la ruqya sauf si tu me donnes ceci ou cela. Maintenant nos frères vont dire voilà un nouveau travail, je vais commencer la ruqya avec 100 euros à chaque tête. Allez, à partir d'aujourd'hui, celui qui veut la ruqya, allez, 500 euros à partir d'aujourd'hui. Ensuite, il y a un troisième intérêt, c'est quoi? C'est que regardez les sahaba, quand ils ont eu doute, ils ont eu le doute, ils n'ont pas dit moi je mange après je vais demander, là, je meurs de faim mais j'attends que je rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il me dise c'est licite ou là c'est haram. Regardez les pieux prédécesseurs, là, ils sautent pas sur la chose, ils mangent et je vais, comme les gens font maintenant, ils font des choses, ensuite ils viennent. Cheikh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram? Et demande avant que tu fasses, c'est pas lorsque tu fais. Regarde, la base des signatures de virus a été mise à jour. Jusqu'à ce qu'il ait rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un quatrième intérêt ici. Les ulama ont dit, quand tu doutes de quelque chose, il faut pas t'en débarrasser. Tu dis pas, je doute, je sais pas si halal, c'est haram, je vais la jeter. Non. Attends que tu connaisses ce qu'a dit Allah sur cette chose et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez Abu Sa'id, qu'est-ce qu'il a fait? Il a douté, il n'a pas dit khlas, je jette les moutons. Ah là, il a dit, on les prend et on va demander. Laissez la chose, je la laisse chez moi et je vais demander. Si c'est haram, c'est haram. Il y a un cinquième intérêt ou là, un sixième, c'est que, regardez comment a dit Ibn Hajj al-Asqalani, il a dit, هذا يدل على تعظيم القرآن في صدور الصحابة. Regardez les Sahaba, tellement le Coran est dans leur cœur. Tellement ils ont la certitude, tellement ils ont l'yaqin dans le cœur, il lui a suffi de lire seulement le Fatiha, le kafir a été guéri à 5 minutes. Seulement le Fatiha. Moi, quand je vais faire la ruqya, je vais lire tout le Coran et peut-être il ne va pas guérir. Pourquoi? Parce que mon cœur est vide, mon cœur est plein de tentations. Dans mon cœur, il y a la toile d'araignée. C'est kharab, mon cœur. C'est pour ça que tu lis tout le Coran sur quelqu'un, il ne peut pas guérir. Et il vient quelqu'un, masha'Allah, un pieux, il lit seulement le Fatiha, et celui-là, il guérit. La hawla wa la quwwata illa billah, Allah yu'allimana dinana. Fadla, inshallah, prochain soual, il reste 10 minutes.
une sœur dit, pour les grandes ablutions, est-ce que la femme qui n'a pas les cheveux tressés peut quand même se passer seulement trois fois de l'eau sur la tête? Naam, pour les grandes ablutions, pour une femme qui n'a pas les cheveux tressés, elle peut mettre ses deux mains jointes comme ça, par exemple dans un bidon là, prendre de l'eau avec ses deux mains et les jeter sur sa tête et bien yani faire entrer, yani frotter avec ses mains. Ensuite elle fait une deuxième fois, elle met sur sa tête l'eau, elle prend une troisième fois, elle jette l'eau sur sa tête. Ça lui suffit pour sa tête. Ensuite elle descend pour faire son corps. Il lui suffit trois fois, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas yakfik an tahfi thalath hafayat. Prochain soual, inshallah. Un frère dit, je suis de Belgique, ville de Kof, et j'ai été parlé au directeur pour les prières que je rate étant à l'école. Et il m'a dit, d'accord, pas de problème. Mais on a un endroit de recueillement, c'est-à-dire une pièce où il y a une croix, et donc je n'ai pas d'autre choix. Si je les laisse pour la fin des cours, je retarde Salat d'Or de 4 heures et Asr de 1 heure. Et s'il n'y a pas, je peux prier dans un petit bureau juste avant cet repas. Que dois-je faire? Naam. Il est permis de faire la prière même dans une église. Comme Abi Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, quand il est rentré dans l'église, il a dit, s'il n'y avait pas ces statues, j'aurais fait la prière. S'il n'y avait pas ces statues, plein de statues qui empêchent les anges de rentrer, sinon j'aurais fait la prière. Donc toi, puisque tu dis qu'il y a un petit bureau juste avant cette repas, fais là-bas, fais dans ce petit bureau pour faire la prière. Il suffit seulement d'avoir un demi-mètre seulement devant toi. Tu as un demi-mètre, tu peux faire la prière. Inch'Allah ta'ala, c'est dans la petite rafa qui est quoi? Qui est dans le petit bureau qui est juste avant cette rafa où il y a la croix. C'est dans le petit bureau qui est juste avant cette rafa où il y a la croix. Maintenant, si tu es obligé et tu n'as pas le petit bureau, tu n'as que la chambre où il y a la croix, tu fais la prière de façon à ce que la croix ne soit pas dans la Qibla. Si la croix se trouve en face de toi quand tu fais la prière, elle est dans ta Qibla, tu ne peux pas la faire. Si elle est derrière toi, ou là à droite ou là à gauche, et que tu n'as que cet endroit, tu peux la faire là-bas ta prière, comme a dit Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu quand il est rentré dans le Kenisa. Fadal, inshallah, prochain soual. Un frère qui se bat la barbe et qui dit pour excuser ce verset de Sourate Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah n'impose aucune âme à une charge supérieure et sa capacité. Que peut-on lui répondre? Naam, on lui dit, ce verset est contre toi, car ce verset dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité, et toi il ne t'a pas demander une chose qui est supérieure à ta capacité. Il t'a demandé seulement de laisser la barbe, et la barbe, ça rentre dans ta capacité. Voilà la réponse. Il t'a pas demandé quelque chose de supérieur. Allah Azza wa Jal ne t'a pas dit, va faire pousser ta barbe si elle pousse pas. Tu n'as pas de barbe, hein. Tu vas chez quelqu'un, un médecin, tu lui dis, plante-moi une barbe. Ramène-moi des poils et plante-les sur ma figure. Allah Azza wa Jal n'a pas dit cela. Mais il t'a dit, laisse seulement ta barbe, laisse-la, ne la rase pas. Et ça, tout le monde peut le faire. Certains ulama ont dit, quand quelqu'un se rase la barbe, c'est un homme. Quand un homme se rase sa barbe, c'est plus grand que la fornication. Certains ulama, ils ont dit pourquoi. Il a dit, quand quelqu'un fait la fornication, il n'a dépêché que le moment où il est en train de faire la fornication, la zina. Il a dépêché pendant les 10 minutes ou les 5 minutes où il fait la zina. Mais ils ont dit, celui qui a rasé la barbe, il a les péchés tous les jours. Imaginez, chaque jour qui passe, il y a des péchés qui s'écrivent. Chaque jour qui passe, jusqu'au jour où tu laisses ta barbe, premièrement. Deuxièmement, quand tu rases ta barbe, tu t'es fait ressembler à une femme. Comment qu'on connaît la différence? On regarde au visage.
on dit celui-là il a une barbe, c'est un homme. Celle-là n'a pas de barbe, c'est une femme. C'est pour ça que des fois, quand tu regardes quelqu'un à la télévision, c'est un homme ou c'est une femme, tu ne sais pas. Si c'était un homme, il aurait la barbe, il n'a pas de barbe. Donc c'est une femme. Mais comment se fait-il que ça soit une femme, alors il a une voix grave? Non, donc c'est un homme. Non, c'est pas un homme, il n'a pas la barbe. On ne sait plus, là, ça s'est mélangé. Mais s'il avait laissé sa barbe, on aurait su que c'était un homme. Troisièmement, Ghayyara khalqallah. Ghayyara, il a changé la créature d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a créé l'homme de façon à ce qu'il ait la barbe. Yani, c'est comme ça qu'a voulu Allah Azza wa Jal sa créature. Maintenant, toi, tu dis non, je ne veux pas être créé comme ça. Si c'était moi, je me serais créé sans la barbe. D'ailleurs, je n'aime pas cette barbe, je l'enlève. J'enlève la barbe, je ne la laisse pas. Et le comble, c'est que ceux qui se rasent la barbe laissent pousser les poils dans d'autres parties. Là où il y a les poils qu'il faut enlever, ils les laissent à plus de 40 jours, 2 mois, 3 mois. Et il y a là où il faut laisser les poils, c'est-à-dire la barbe, ils l'enlèvent. Et qu'est-ce qu'on dit ? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Law mahdina ya rabbi wa hdi bina. Prochain soual, inshallah. Une sœur dit, mes parents sont mécréants, ils viennent de perdre leur fils, mon frère, depuis peu, ce qui fait de moi leur enfant unique. Ils savent bien qu'en tant que musulman, je ne participe pas à leur fête et cela leur a posé aucun problème. Auparavant, seulement aujourd'hui, comme cela ne fait pas longtemps, ils se sentent seuls et aimeraient que je sois pour les fêtes de fin d'année. J'en sais quoi faire, quel conseil pourriez-vous me donner? Alors je lui dis, mes parents ne comprennent pas que cela se pose. Que cela pose problème d'aller aussi me tirer avec eux. Conseillez-moi sur cette affaire. Naam. En ce qui concerne les fêtes, etc., de fin d'année, la Noël, je ne sais pas, il y a beaucoup de fêtes chez les chrétiens, je ne les connais pas exactement, mais il y en a beaucoup, comme la Noël et je ne sais pas quoi. Ces fêtes, il est interdit à un musulman de les assister. Parce que c'est fait en rapport avec quoi? En rapport avec le dîn, en rapport avec la religion. Même les anniversaires. Quand quelqu'un fait un anniversaire, premièrement c'est haram, et deuxièmement on ne doit pas assister, et troisièmement s'il nous envoie des gâteaux, on ne doit pas en manger. Parce que l'anniversaire c'est quoi? Ça a rapport avec le dîn. Certaines ne font pas la liaison. Tu dis, moi je suis né le 20 août, aujourd'hui on est le 20 août, j'ai 18 ans, j'invite mes amis. Certes, tu invites tes amis, mais ça, c'est le din des musulmans ou des chrétiens. Hein? C'est les chrétiens qui font l'anniversaire. L'anniversaire de Jésus, l'anniversaire. Donc, ça rentre, c'est rentré dans le din, c'est haram. Donc, toi, mon frère ou ma soeur, yani, il faut ne pas assister aux fêtes qui ont rapport avec le din. Assiste, s'il t'invite, par exemple, pour un repas normal, s'il t'invite pour un mariage, s'il t'invite pour. Des choses qui n'ont pas rapport avec le dîme. Je dis mariage, pas dans l'église. C'est un mariage à la maison ou là. Non. Quant au cimetière, il n'est pas interdit aux musulmans d'aller chez le cimetière des kuffars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à la tombe de sa mère. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala des doigts pour qu'il pardonne à sa mère. Qui est morte mécréante, Amina, comme son père, sallallahu alayhi wa sallam. Le père et la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas rentrés dans l'islam, comme vous le savez, et son oncle Abu Talib aussi. Alors, le prophète, alayhi wa sallam, est allé à la tombe de sa mère, et a fait des doigts pour que Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui pardonne, etc. Allah, azza wa jal, n'a pas accepté son doigt. Les ulama ont dit, donc il est permis à quelqu'un d'aller à la tombe, par exemple, de sa mère, mais les ulama ont dit, comme a authentifié Cheikh Al-Albani le hadith, il a dit, le prophète alayhi sallam a dit, Kullama mararta bi qabri mushrikin aw kafir, fabashirhu bi adab an-nar. Il est interdit, quand on va
à la tombe de notre père, s'il est un kafir, de lui faire des doigts ou de dire ya Allah pardonne-lui ou là. Mais le hadith a dit, à chaque fois que tu passes devant un cimetière ou là une tombe d'un kafir, au contraire il faut lui dire attends-toi au feu qui t'attend, attends-toi au feu qui t'attend. Donc yani maintenant si tu vas dire ceci à ton père, yani c'est un peu yani difficile. Hein, allez, je vais à la tombe de mon père pour lui dire attends-toi au feu qui t'attend, etc. Mais les sahaba bien sûr ne faisaient pas la différence entre leur père et leurs ennemis quand quelqu'un est kafir. Ils ne faisaient pas de différence entre un père, une mère, un fils, etc. quand quand c'était des kofars. Demande même une femme, j'ai pas compris, hein, la sœur dit demande même une femme. Qu'est-ce que ça veut dire cette question? Je n'ai pas compris. Demande même une femme. Reformule, j'ai pas compris la question. Même une femme peut-elle aller au cimetière? Je parle du cimetière en général. Je parle du cimetière en général. Les avis sont partagés. Est-ce qu'une femme peut partir ou ne pas aller au cimetière? Moi, je suis de l'avis de Cheikh Al-Albani, qui dit qu'une femme peut aller au cimetière. Et il s'est basé sur le hadith qui se trouve chez le Bukhari et chez les autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme en train de pleurer devant la tombe de quelqu'un de sa famille, son fils ou là son mari. Elle est en train de pleurer. Il lui a dit ittaqillah wasbiri, crains Allah et patiente. Elle lui a dit ilayka anni, yani éloigne-toi de moi. Il lui a dit crains Allah et patiente. Elle lui a dit éloigne-toi de moi. Ensuite le prophète alayhi sallam est parti. Les gens lui ont dit, les femmes là, qui étaient avec elle lui ont dit, tu sais à qui tu as dit cela? Elle a dit non. Elle lui a dit c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit elle est vite allée le chercher. Quand elle est arrivée chez lui, elle lui a dit wallah ya rasulallah, je t'ai pas reconnu. Il a dit innama sabru 'inda sadmati al-ula. Il a dit la patience c'est dans le premier choc. La patience c'est dans le premier choc. Maintenant quand on a quelqu'un qui meurt ou là une très mauvaise nouvelle, c'est là qu'on reconnaît qui est le vrai croyant, qui ne l'est pas. Le vrai croyant, quand on lui annonce la première nouvelle, le premier choc, il patiente. Il dit قدر الله ما شاء فعل إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها. Et l'autre, celui qui n'est pas un croyant, qu'est-ce qu'il dit? Il commence à se défigurer, à se griffer la robe, à crier, peut-être à blasphémer, à insulter Dine, à insulter Allah. Je ne sais pas ce qu'il fait. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. De toute façon, le prophète صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? Il lui a dit اتق الله واصبري. Et il lui a pas dit, c'est interdit, qu'est-ce que tu fais là sur la tombe? Reste à la maison, ne viens pas au cimetière, c'est interdit. Là, c'est le grand délire de Cheikh Al-Albani, que la femme peut aller au cimetière, bi-idhnillahi azzawajal. Il n'y a pas de différence entre l'homme et l'âme, et l'homme quand on va au cimetière, sauf que la femme, il lui est demandé d'être habillée avec l'habit religieux, et d'être, yani, du genre, quand elle va là-bas, elle se maquille pas. Elle ne parle pas beaucoup. C'est pas quand elle arrive là-bas, elle commence, la première des choses, elle commence à parler avec les femmes qui sont là-bas. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Je veux marier mon fils. C'est combien le cours de l'or? L'euro, c'est combien? Il est combien arrivé l'euro? Est-ce que vous connaissez un appartement? Je veux louer un appartement. Est-ce que la plage est loin? Non, tout ça c'est haram. Elle va là-bas seulement pour se taire et rester une ou deux, 5 ou 10 minutes. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de la tombe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tudmi'u al-'ayn wa turiqu al-qalb wa tudhakkiru bil-akhirah. Il a dit quand on va au cimetière, on sent yani la larme qui veut couler, on sent le cœur qui devient yani triste, et ça nous rappelle l'au-delà. Moi, pourquoi je vais au cimetière? Pour me rappeler l'au-delà, pour me dire subhanallah, cette personne qui est dans la tombe était avec moi hier, ça fait seulement une semaine on était ensemble. Et maintenant elle est sous la tombe, khlas, pour de bon, je ne peux plus la voir, khlas, c'est parti, je ne peux plus jusqu'au jour du jugement dernier. Et moi, la même chose, d'une seconde à l'autre, on peut me rentrer dans ma tombe, on va faire de moi comme on a fait de cette personne. Donc, on va au cimetière, c'est surtout pour notre but,
C'est pas on va là-bas pour lire le Coran. Lire le Coran dans le cimetière, c'est une bid'a, ça se fait pas. Certains gens disent, ils sont à la maison, ils vont dire je vais au cimetière pour lire le Coran. On ne lit pas le Coran au cimetière. Cimetière, on fait seulement du'a. Salam alaykoum, anbiya, min mu'minin, wal muslimin. Allah lana wa lakum l'afiya. Comme c'est dans le du'a, yarhamallah, al-mustaqdimin, amikum, mustaqhirin. Allah lana kum l'afiya. Ou antum sabiqoun, nahnu l'lahiqoun, inshallah. Mais on ne va pas là-bas pour lire le Coran. Quand tu arrives là-bas, si tu veux lui faire un doua, tu peux. Allahumma ghfirlah wa arhamhu wa kada, tu peux. Mais c'est pas à la maison que tu dis, je vais au cimetière pour faire des doua ou lire le Coran. Ça rentre dans la bida. Autre soual, inshallah ta'ala. Naam, c'est inshallah ta'ala la dernière question à lui. Inshallah. Ibrahim, naam. Un frère dit, vous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas une obligation pour l'époux de payer le hajj à sa femme alors que c'est une obligation. Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne aux femmes de rester dans leur foyer, cela veut dire qu'elles ne sortent pas pour travailler, c'est ça. Dans ce cas, je ne sais pas comment elles vont pas venir pour se le payer, barakallahu fik, de m'éclaircir. Naam. Premièrement, quand une femme n'a pas d'argent, ne travaille pas, il n'a pas d'argent et son mari ne lui paye pas, le hajj tombe, il n'est plus une obligation pour elle. Là, je l'ai dit, le hajj, لمن استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Aux gens, c'est une obligation d'aller au hajj pour ceux qui peuvent. Ceux qui peuvent, celui qui ne peut pas, c'est pas là. Là, je ne lui dis pas pourquoi tu fais une chose alors qu'il sait qu'il ne peut pas la faire. Donc la femme qui ne travaille pas et qui n'a pas d'argent et son mari ne veut pas lui payer, ce n'est pas une obligation pour aller au hajj. Demain, quand elle va mourir, là, je ne lui dirai pas pourquoi tu n'es pas parti au hajj ou là, il fallait travailler pour aller au hajj. Parce que certains gens croient que, par exemple, dans ce cas, il te dit, voilà, le hajj c'est bientôt, et c'est une obligation, c'est un pilier, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais travailler, pour enlever, ce pilier, pour faire ce pilier. D'autres, par exemple, il n'a pas la zakat, il n'a pas d'argent pour faire la zakat, parce qu'il n'a pas assez d'argent pour faire la zakat, il faut avoir un certain nombre d'argent. Qu'est-ce qu'il va dire? Je vais travailler, amasser de l'argent pour faire la zakat. À tout cela, on dit, vous vous trompez. Car la règle dit, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, لكن ما لا يتم الإجاب إلا به فليس بواجب. Il y a une différence entre les règles. Les deux règles. La première dit, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. La deuxième dit, ما لا يتم الإجاب إلا به فليس بواجب. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que c'est obligé de monter sur un avion, de prendre un avion? C'est pas obligé. Je suis maintenant chez moi, c'est pas obligé de prendre l'avion. C'est pas obligé. Maintenant, si pour aller au hajj, il n'y a pas de chemin sauf l'avion, pour aller au hajj, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas la route comme ça, il y a une grande mer, etc., il faut un avion. Dans ce cas, c'est obligé de prendre l'avion, là c'est pas obligé. C'est obligé. L'avion est devenu obligé, alors que en règle l'avion n'est pas obligé. Mais maintenant, puisque il n'y a d'issue que prendre l'avion, l'avion est devenu obligé. Avec la règle, c'est-à-dire que l'obligation qui est le hajj ne peut se terminer dans ce cas qu'en prenant l'avion. Donc l'avion qui n'est pas obligé devient obligé à cause de l'obligation du hajj. Voilà, l'avion qui n'est pas obligé, quand on monte l'avion, c'est pas obligé. Et puisque le hajj qui est obligé, on ne peut le faire qu'en prenant l'avion, donc l'avion, prendre l'avion qui n'est pas obligé, devient obligé à cause de l'obligation du hajj. Ça c'est la première règle. مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَوَاجِبُ. La deuxième règle, مَا لَا يَتِمُ الْإِجَابُ إِلَّا بِهِ لَيْسَ بِوَاجِبُ. C'est le contraire. C'est-à-dire que aller au hajj, c'est seulement par exemple pour ceux qui ont de l'argent. Et moi, je n'ai pas de l'argent,
Donc ce n'est pas obligé de, pour moi d'aller travailler pour avoir de l'argent pour rendre le hajj obligé. Voilà. Ou bien, moi j'ai pas d'argent, je fais pas la zakat. Je vais dire, alors je vais travailler pour ramasser de l'argent pour pouvoir faire la zakat. Non. La zakat qui est obligée. La zakat qui est obligée. Ça, il est obligé là. Mais elle est obligée quand tu as un certain nombre d'argent. Donc, tu veux rendre la zakat. Yani, pour faire la zakat, tu veux rendre le travail obligé. Tu vas dire, je vais travailler pour faire la zakat. La règle dit non. Il n'est pas obligé pour toi d'aller travailler pour faire l'argent, pour faire la zakat. La même chose pour la femme. Elle n'est pas obligée d'aller travailler pour aller au hajj. Elle n'a pas d'argent, elle ne va pas au hajj. Si elle travaille, elle travaille, c'est autre chose. Elle amasse de l'argent et elle va au hajj. Il est déjà ici 12:15. Je m'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala. Demain, après 11h, Inch'Allah Ta'ala, après 11h, c'est-à-dire à 23h, après les repères de la sunna, je répondrai aussi à vos questions, sans faire de daf, Inch'Allah Ta'ala. Pour ceux et celles qui ont beaucoup de questions, vous les laisserez, Inch'Allah Ta'ala, pour demain. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته